Attention. 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 Alors. Slibar, ok. Casquette, Hélène et les garçons, ok. Kimono, mais pas celui culte du début des streams de avant cet été, ok. Est-ce que j'ai un peu chaud avec? Ok. Chaussettes, ok, ouais, chaussettes, c'est bon. C'est quoi d'autre qu'il faut que j'aie? Chaussettes, c'est pas obligé, obligé, mais j'en ai en tout cas. Qu'est-ce que je dois vérifier d'autre? Quelqu'un a une idée vite fait que je me foute pas la honte quand même? Lunettes, ouais, lunettes, c'est bon. Kimono culte, ah, c'est pas le kimono culte. Un nez, ouais, attendez, je me mets en mode studio pour me mettre à l'image. Ouais, c'est bon. Après, attendez, sinon je me mets déjà en petit et vous me dites si ça a l'air d'aller. Ça, c'est moi. Ça a l'air bon. Aucun fond vert. Ça, c'est bon. Tu as ta scène. Ouais, je crois. Pas de salade entre... Ah oui, c'était marrant ma blague quand je disais que j'avais une salade niçoise entre les dents. J'étais MDR. C'est Sébastien Chassagne, là. Non, je crois pas. Je crois pas. Attendez, je vais me mettre en plus gros plan, vous allez me dire. Attendez, déjà petit générique. Let's go, c'est parti. Tous les mardis, mercredis et jeudis à 9h30, c'est Aurel matin. On échange... Oh putain. Cancel. Que tout commence. Hélène et les garçons. Putain, il est old le bingo. L'huissier est bien là, ouais. De carte course. Il prend feu l'huissier par contre. C'est Aurel matin. Aurel matin. Oh putain, j'ai disparu. Bonjour. Alors on va mettre la musique du début des lives en ce moment. Enfin, pas toujours d'ailleurs, mais en tout cas, dans ma tête, à la fin de Aurel matin, c'est ça que j'entends partir. Hey. Bonjour tout le monde. La musique de début de live depuis janvier 2024. On est en 2024. Je suis plus petit que d'habitude par contre. Vous le noterez. Petit gars. Salut tout le monde, j'espère que vous allez hyper. Excusez-moi de vous donner un tips, mais si quelqu'un a envie d'être le 700e... Le 700e, regardez. 700. On les avait déjà passés, certes, mais quand même, ça faisait longtemps. La barre symbolique des 700. Who wants to be the 700e? Qui veut être le 700e? Allez, quelqu'un va nous régaler de la 700e subbing. Le 700e sub. Le 700e. Le 700e sub. Le 700e. Le 700e sub. On attend. Le 700e sub. J'aurais été triste que quelqu'un le fasse hors live, quoi. Qu'on calcule même pas. Là, on va voir ce chiffre changer. Ah ! Regardez, c'est passé ! C'est passé à 700 ! Pouah, 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 pouah ! The Perdonium, Psartek à toi. En plus, c'est ton premier sub, donc ça t'a chauffé, quoi. Vu que c'est le premier mois pour The Perdonium. Psartek à toi, Perdonium, tu es le 707e sub. Et ça, c'est une dinguerie. Perdonium. J'ai dit Pedronium, non, Perdonium. Perdonium. Et regardez ce qu'il dit Aurel dans le chat sur les subs, c'est incroyable. Watching anime anywhere. Il y a eu combien d'épisodes d'Hélène hier? Il y en a eu deux. Roman, tu es le ou la 701e. C'est pas mal. Avec ton petit prime. Roman, je pense qu'il n'y a pas de E, donc tu dois être un gars. Roman, il nous a lancé un train de la hype. Regardez, c'est écrit là. Au-dessus de mon doigt coupé. Ah, je me suis coupé le doigt! Je ne suis pas à jour, t'inquiète pas, on va te résumer les bails. Et puis de toute façon, c'est pas non plus une sitcom où il se passe des trucs à balle tous les jours. Hein. On va pas se mentir, hein. C'est pas non plus... voilà. Merci à Lucie Génial pour les 100 bits. Pipadapapa, comment vous allez? Bonjour. Alors les premiers arrivés, on va dire bonjour spécifiquement aux premiers arrivés. Bonjour Wizbot, bonjour Sachiel, Margot, Laura, Nibats, Sayord, Fanny, Eva,
Gentle, Lola, Corvitax, Lex Gary. Et après, dès qu'un nom se répète, j'arrête. Night Aurel, putain, on a un membre VIP avec nous là. On a un membre VIPOS avec nous. J'espère que vous avez passé une nuit hyper. Les gens de hier soir, j'espère que vous avez bien déliré sur Super Nanos, ou encore Tellement Vrai, ou encore mon génie, le génie de ma culture cinématographique et sériephile. Hier, j'ai fait j'ai fait tout péter au jeu à frame des Tool Team là. Avouez les gens qui étaient là hier, c'était incroyable. Merci Nibat pour les 100 bits, c'était une dinguerosserie. Salut le Timber et bienvenue à Watt. Tac, ok, le chat est là, oui, c'est bon. Ok, la musique est un peu basse, j'ai l'impression. Ah oui, c'est vrai. Mais je l'avais un peu baissé hier, parce que j'ai revu un replay, pas un replay, mais un enregistrement, j'ai l'impression que la musique était forte, donc je l'avais un peu baissé hier, mais peut-être un peu trop. Bref. Ah, c'est marrant, Night Aurel, t'étais passé membre VIP parce que t'étais le 200e sub. Et là, on est à 700 ce matin. Eh, on a bien grandi ensemble. Hein. On n'est pas encore rentable, mais on a quand même bien grandi ensemble. Merci à tous pour les subs. On a commencé à sub 0. Vous vous rendez compte quand même. Hommage à Mortal Kombat. Faut avoir la ref. On a commencé à sub 0. On était à sub 200 avec Night Aurel. Et là, on en est à sub 700. Avec The Perdonium. Quel plaisir. Oh, back in 74. À chaque fois, je dis in, je suis vraiment une merde. Back on 74. Right off the 94. C'était comment hier soir? J'ai pas pu regarder. C'était incre. Bon, c'était hier, Super Nanny, c'était un peu dur parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment hardcore pour la famille. Super Nanny, c'est toujours pareil. Hein. S'ils appellent la télé pour les aider, c'est qu'ils sont vraiment dans la merde, les parents. Et là, ils avaient 4 enfants. Et c'était nimpe. Mais 4 enfants en bas âge. C'est genre 4 ans, 3 ans, 2 ans et quelques mois ou un truc comme ça. Trois gars. Et qui savaient à peine parler, mais la seule chose qu'ils savaient dire, c'était ta gueule. Donc les enfants disaient ta gueule en permanence. Et un des petits frères faisait tout le temps des wads. Alors c'était marrant parce qu'il faisait des wads, mais avec ce doigt. Mais ils faisaient des wads à Super Nanny. Les enfants, ils disaient ta gueule à Super Nanny, il y en a un, il faisait ta gueule. Comme ça, tout le temps. Donc c'était à la fois très drôle, à la fois cauchemardesque, total. Mais Super Nanny, elle est venue en cheval. T'as raté quand même des trucs pas mal. Hein. Elle est venue en cheval, Super Nanny. Malheureusement, elle a garé le cheval dans le jardin. On aurait bien aimé qu'elle rentre dans le salon avec son cheval. Et ensuite, le truc culte quand même, c'était que... Ouais, elle arrivait en cheval, ouais. Le truc culte quand même, c'est que le père... La technique qu'ils ont, les parents, pour faire peur aux enfants, pour qu'ils arrêtent de foutre le bordel le soir, c'est qu'ils jouent un fantôme. Le fantôme voleur de tétine qui va frapper à la fenêtre de la chambre avec une lampe de poche sous le visage. Bidouille. C'est le fantôme s'appelle Bidouille. Et ça, j'avoue, c'était quand même relativement culte. Mais malheureusement, dans les consignes d'éducation de Super Nanny, il n'y avait plus Bidouille. Elle a dégagé Bidouille, quoi. Putain. Donc ça, nous, on était un peu dégoûtés. Donc de temps en temps, dans l'épisode, on allait se remettre la séquence Bidouille. Et voici Bidouille. Et putain. Et surtout, le daron, il était mort de rire en faisant Bidouille. Donc on sentait juste qu'en fait, c'était son kiff, qu'il avait envie de faire un spectacle comique sur Bidouille. Mais on a cherché, on n'a pas trouvé. On a trouvé un spectacle comique d'un clown qui s'appelait Bidouille. Mais c'était pas le même gars, je crois, malheureusement. Il n'y avait pas de gros plan sur lui. Mais malheureusement, c'était pas le même gars. Donc à la fin, ça allait mieux. Et les gamins, au lieu de dire ta gueule en boucle, à la fin, leur nouvelle catchphrase, c'était je t'aime. Un peu mieux. Ils disaient je t'aime. Bon, alors du coup, fallait pas trop y croire parce que c'est juste un mot. Mais c'est quand même mieux que ta gueule. Et évidemment, également, on a appris aux petits que pour faire des wads, j'arrive pas à plier juste ce doigt. C'était pas ce doigt, mais ce doigt. Donc à la fin, ils faisaient bien des doigts. Ils disaient je t'aime avec le bon doigt. Donc ça, au moins, c'était bien, quoi. Ils ont été rééduqués, les enfants. Donc t'as raté ça. Ensuite, on a essayé de regarder Tellement Vrai, mais tout est tellement fake dans cette émission. C'est quand même abusé d'appeler une émission Tellement Vrai quand tout est tellement fake, quoi. Et c'était un peu hardcore. Bah, j'avoue, c'est chiant. C'est tellement. Je trouve tellement que la prod, c'est abusé ce qu'ils font. À se foutre de la gueule des gens comme ça, que j'arrive pas trop à faire des vannes. Donc c'était un peu cringe. Donc on a refait des petits jeux ciné, comme en début de live, et j'ai montré mon génie total. Voilà. Ah ça quand même, c'est pas du tout pour me la raconter. Hein. Mais ça quand même, faut que je vous montre à quel point je suis un génie. Non mais, c'est juste à titre informatif que je vous le montre, c'est pas pour me la raconter. Regardez le génie d'Aurel. Alors, je précise, hein,
En fait, ce que je trouve incroyable, et c'est pour ça aussi que c'est, des trucs de cerveau, quoi. Ah bah tiens, tu veux voir un ta gueule? Voilà, je vous montre un ta gueule d'un gamin qui était pas mal. Regarde-moi ce ta gueule, regardez-moi ce ta gueule magique. Ils ont tauté les ceintures. Oui, oui. C'est dangereux. Si jamais vous venez à freiner... Ta gueule. Et juste après, ils faisaient un wad. C'était assez incroyable. C'était assez incroyable. Et maintenant, je vous montre mon génie comique. Je vous montre mon génie comique, vous allez péter un câble. Ah voilà. Au début, je croyais que c'était un biopic de Lionel Jospin. Donc ça, c'est un jeu où tu as des images de plus en plus faciles pour trouver ce que c'est le film. Et là, j'en suis à la troisième image. La troisième image, c'est Tommy Lee Jones en cosplay de Lionel Jospin. Et je fais ça. Allez, mon cerveau, il envoie JFK. Allez, hop, c'est JFK. Je suis trop chaud ! En trois images, certes, mais quand même. Je comprends pas comment le cerveau, il peut trouver des trucs pareils. J'ai jamais vu ce film. Ensuite, en une image. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça ? Contact ? On tente un contact. Vous voyez bien ? Vous voyez bien. Il y a quoi, en fait ? C'est fou, parce que je sors des queutrues, j'ai jamais vu contact. J'ai jamais vu JFK pour les gens qui étaient là au début de ce live. Et enfin, alors là, attendez, je vais enlever mes trucs du soir là. Pardon, hein, vous n'avez rien vu. Back in 74. Tac. Et enfin, j'ai fait le même jeu mais version série. Mais. Aurel. Et un bras en fait. Non! Et là, les gens, ils vont... Et là, les gens, vous allez dire, non, mais Aurélien, t'es... Mais putain ! Déjà, Aurélien, t'es... Sois là, déjà, Aurélien, peut-être. Voilà, il est là, il a des bras. Et là, regardez-moi ça. Donc, même jeu sur série. Bon, après, c'est spoilé, vu que c'est clippé, donc... Quelqu'un couché. Quelqu'un qui dort. Attendez, c'est plutôt celui-là qu'il faut que je mette. Quelqu'un couché. Quelqu'un qui dort. C'est Barry. Comment mon cerveau il peut trouver Barry avec ça? Quelqu'un couché. Bon là vous voyez rien, donc je peux, c'est encore plus compliqué mais... C'est Barry. Ta-da-da-da. Parce que j'y crois même pas. JFK, je me disais, c'est peut-être ça. Mais là, quand je tape Barry, je suis vraiment en mode, bon, allez, on va taper un truc, tape ce que ton cerveau, il envoie pour avancer, quoi. C'est Barry. T'as regardé Barry. Bien évidemment que j'ai regardé Barry. C'est une de mes séries préférées de très, très loin. Donc voilà, c'était hier soir. Merci pour les clips. Merci Laure, merci Etim pour avoir clippé le génie de mon cerveau. C'est mon cerveau, c'est pas moi. Hein. C'est pas pour me la raconter. Je trouve juste que le cerveau, c'est quand même une dinguerie. Après, il retient bien ce qu'il veut, le cerveau. J'avoue, bon. Des fois, j'aimerais même retenir d'autres trucs que ce que je retiens, mais... Au fait, j'ai regardé Kaizen, et croyez-le ou non, mais le gars monte l'Everest. Mais il monte l'Everest, le gars. Pardon, j'ai mal lu ton message. J'ai du mal à y croire, j'ai pas vu encore. Barry égale Banger, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. c'est quoi le jeu site, s'il vous plaît? Il a l'air hyper. C'est Framed, ça s'écrit. F-A-R-M-E-D. Framed. Et il y a plein de petits jeux comme ça, t'as pour les films, pour les séries. Et on a fait un autre jeu aussi qui était marrant, c'est genre une IA qui mélange deux visages de deux acteurs, et il faut retrouver les deux. Et tu fais des propositions, ça te donne des indices, tout ça, tout ça. C'est génial. Go React en live avant Hélène et les garçons. Le Kaizen, ça dure pas presque un Titanic, son truc, là? Ouais, non, j'avoue, je vais pas... Bon, ça fait... Là, apparemment, tout le monde mate et tout, donc faudrait que je mate pour être au courant, parce que c'est juste l'actu, quoi. Mais... Bon, j'ai un peu la flemme. Enfin, c'est long, quoi. 2h30, ouais. Ouais. J'avoue. J'avoue. Goréacte Barry. Ouais, de toute façon. Mais en même temps, oui. Bon, bref.
Ah, j'allais dire, c'est... mes bras ils rentrent, mais je suis sûr que je fais ça, et c'est fini. Ah oui. Là, j'étais vraiment dans une. Dans un étirement de l'angle. Merci Un Coton. Merci Hélène Coton. Malheureusement, tu es presque le 700e, mais tu arrives juste après. En tout cas, merci beaucoup pour ton Prime. Regardez ce qu'il dit Aurel dans le chat sur les Primes, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. MK2 se sont bien régalés en tout cas. Ouais, bah après, oui, j'avoue, le côté y aller au cinéma, ça doit être coolos. Mais après, moi, je connais pas trop, j'avoue, Inesreg. C'est ça son nom au gars ? Je connais pas trop Inesreg. Je connais pas trop, donc j'ai regardé juste pour me foutre le seum sa vidéo sur Voici ma maison. Je me disais, bah putain. Histoire de me foutre un peu le seum, mais sinon, j'ai jamais vu, je crois. Inoxydable, oui voilà, pardon, désolé Inox, je voulais pas mal dire ton blaze. Apparemment il y a un problème de droit d'exploitation ou je sais pas quoi, de droit d'exploitation des Sherpas, ouais, apparemment il y a un problème de droit d'exploitation des Sherpas, effectivement. Comme on a pu le voir sur mon Discord. 9h52, bon, on va attendre 8 minutes, hein. on va se faire chier pendant 8 minutes avant de lancer les garçons, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Je me refais Breaking Bad pour la millième fois, quel banger. Ouais, je me suis tout refait. C'était quand ? C'était il y a 2 ans, je crois, du coup. Quand ils ont fini Better Call Saul, je me suis refait tout Better Call Saul et tout Breaking Bad. Pff, qu'est-ce que j'étais heureux. Bah, c'était avant de lancer Twitch. Avant de commencer Twitch, quand j'avais le temps de regarder des séries. C'était bien, ça. C'était bien, c'était la bonne époque. La sortie du film accusée d'être hors la loi. Ah ouais, c'est pas que les Sherpas, quoi. C'est carrément en termes d'exploitation. Bah, c'est bien, ils ont tout fait dans les règles de l'art. Tous ces youtubeurs qui montrent leur maison, nickel pour y faire tout noir. C'est vrai que Natou qui monte sa maison, ça ouvre la possibilité de... Parce que quand ils montent pas leur maison... Après, ce qui est bien, c'est les youtubeurs qui font des vidéos avec des partenaires qui les aident à faire leur maison. Du coup, après, ils montent leur maison parce que c'est le concept, quoi. Si les partenaires, ils te filent des trucs, il faut derrière faire une vidéo. Donc, au moins, grâce au fait qu'ils aient des partenaires pour les aider à faire leur maison, ça fait qu'ils montent leur maison. Parce que, bon, si t'as pas de partenaire pour montrer ta maison, tu la montes pas trop. Surtout quand ça te décale un peu de ton public parce qu'il y a un décalage un peu financier qui peut s'opérer. On va pas se mentir. Mais du coup, grâce au fait que des partenaires les aident, ils montent leur maison et du coup, on peut faire des effets tout noirs. Hihi. Bon, c'est pas d'actualité tout de suite maintenant. Puis Natou, j'avoue, je m'étais plus dit, si j'en faisais un avec elle, que j'aurais bien aimé en faire une édition de effets tout noirs maison de campagne. C'était plus d'aller dans les maisons de campagne des gens ou en tout cas d'aller de s'aérer un peu la tête et d'aller en province ou à la campagne, en région. Mais peut-être un jour, mais c'est vrai que je m'étais plus dit sa maison de Campagnos. Mais là, j'ai vu sa vidéo room tour chez elle. C'est pas mal. Puis l'avantage, c'est que comme elle l'a montré en vidéo, je peux réfléchir à des petits happenings. Mais c'est pas, je parle de ça, mais c'est pas du tout d'actualité, quoi. L'arbre à l'intérieur, attends, c'est une dinguerie. Elle a un arbre dans son salon, quoi. Mon rêve, moi j'en ai, mais ils sont plus petits, quoi. Ils sont plus petits. What you gonna for? Ah oui, mais je me disais, pourquoi il n'y a plus? Parce que j'ai mis pause. Mais ouais, si je refais des sessions d'effet tout noir, j'aimerais bien faire effectivement une session estivale, un peu maison de campagne. Genre, tu vas chez des gens qui habitent loin de Paris pour sortir un peu, pour respirer un peu. Aller dans la maison de campagne de Natou, aller dans la maison de José en Normandie, ça serait fou. Aller... Bon, après, je vais pas citer des noms parce que ça, je veux pas te décevoir, parce que j'en sais rien. En vrai, j'ai vraiment pas sondé. Mais des bails de. Là, comme ça, je dirais. La maison de Bérangère Krief. Pourquoi je dis des noms ? J'ai dit que j'en dirais pas. La maison de Flaubert. Ouais, ça pourrait être marrant, la maison de Flobos. Avec Ménielos. Refaire un épisode, ça fait longtemps. Je vais reboucler la boucle, quoi. Recommencer du début. Ça peut être un concept aussi. Je refais Il fait tout noir, je refais tous les gens que j'ai fait, mais dans leur nouveau. J'attends. En fait, c'est ça la règle. C'est une fois que tout le monde a déménagé. Je refais le tour de tous les invités que j'ai fait. La maison d'Alexandre Astier, non mais ça jamais. Il y a des gens qui montrent rien de leur vie privée. Faut pas rêver. Hein. Alexandre Astier, c'est dead. De toute façon, je le connais pas du tout. C'est un autre level de notoriété là. Alexandre Astier, ça n'arrivera jamais. Alain Chabat, ça n'arrivera jamais. Aurel San, ça n'arrivera jamais. Voilà, c'est évidemment, ça n'arrivera jamais. Au-delà du fait que ce sont des superstars que je ne connais absolument pas, ce sont des gens très discrets sur leur vie privée. Ça n'arrivera jamais. I've been in love.
Manegane Manefranga. Ouais, Shayna Twist peut être marrante. On en fait un dans sa maison, et pendant qu'elle a les yeux bandés et tout, on coupe son arbre et on le brûle dans la cheminée. Qu'est-ce que vous en pensez comme idée? On fait un sondage si vous validez ou pas. Non, mais après, il y a des gens à un level chez Pierre Ninet, tout ça, enfin, ça n'arrivera jamais. Oui, c'est vrai que lui, pour le coup, il a vraiment. Il y a des ânes à la campagne et tout. Mais ça n'arrivera bien évidemment jamais. C'est comme des bails de Jonathan Cohen. À une époque, ça aurait pu être envisageable. Mais aujourd'hui, c'est des gars, ils sont dans une autre sphère, quoi. Mais bah, c'est malheureusement le cas aussi d'Eric et Ramsey, hein, qui sont redevenus des énormes stars, alors qu'à un moment donné, ils étaient en mode « Salut !» Il y aurait eu moi. Mais aujourd'hui, ils font des vidéos à 47 millions avec Squeezie. Il n'y a aucune chance qu'on fasse un Il fait tout noir avec eux, quoi. Le coche a été raté. Ta-da-ta-ta-da. Madame Emelard, elle est pas là, ouais. Ah putain. Mais ça ira, il nous dit Madame Emelard ne donnera pas l'heure. Elle est dans un train pour Tourcoing. Bah, il y a Internet dans les trains, hein, dit le gars qui est en train de faire une sponsor avec Intercité. Il y a Internet, hein. Ready, got it, ready from. Ready, got it, ready from. Pas d'anecdote d'effraction ou de frigo. Non, pas d'anecdote d'effraction ou de frigo. Je sais toujours pas qui est rentré chez moi dimanche matin à 7h du matin dans mon sommeil. Et j'ai toujours pas changé l'ampoule de mon frigo. Car j'ai tapé sur Google « magasin d'ampoule de frigo ». Ça m'a dit « vous êtes con ?» pour interrogation. Ça va, c'était pas une affirmation. Donc j'ai apprécié de la part de Google quand même de prendre des pincettes. Mais après, pour le gars qui est rentré chez moi dimanche matin à 7h, je vous avoue que je préfère, oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, dimanche matin à 7h, ma copine me réveille en me disant « il y a quelqu'un dans l'appart ». Je me lève, je fais le tour, il n'y a personne. Donc je me dis, on se dit « as-tu rêvé ?» Mais elle me dit « j'ai entendu quelqu'un dans le salon dire… » J'ouvre un peu les yeux, je vois une tête rentrer dans la chambre et dire « il y a quelqu'un » et ressortir. Et le chat fait un… Donc tu te dis « ça peut être un rêve ». Mais non, car la porte d'entrée était entrouverte. Et je pense que j'ai mal claqué la porte la veille et nous avons dormi avec la porte ouverte. Et du coup, je suppute que c'est un voisin qui est rentré pour voir si tout allait bien. Mais ça se trouve, non, je ne sais pas. Mais t'as parlé à des voisins. Bah non, parce que je vais pas aller voir tout le monde en porte-à-porte. Et puis en fait, en vrai, parce que c'est pareil, j'ai une petite caméra moi dans mon truc. Mais je sais pas comment ça marche. Genre, est-ce que ça enregistre toutes les 5 dernières minutes et si je vais dessus et que je dis « montre-moi les 5 dernières minutes », ça peut les enregistrer? Je sais pas exactement comment ça marche, parce qu'en vrai, en fait, ça me fait chier cette histoire de caméra, parce que j'ai peur qu'on me la hack, donc elle est un peu obstruée en vrai. Mais bref, tout ça pour dire que quand bien même j'aurais une possibilité de voir ces images, je pense que je ne voudrais pas les voir. J'ai pas envie de voir un gars que je connais pas rentrer dans mon salon, c'est extrêmement flippant en fait. Donc je préfère ne pas savoir et pas penser à autre chose. Pa-da-pa-pa-pa. Voilà, en gros. Donc n'en parlons plus, je ne veux pas savoir qui est rentré chez moi. Le choix du déni. Bah ouais, c'est un peu flippant en vrai. Hein. Voir un mec rentrer dans mon salos, voir la tête du... Et puis imaginez, c'est un méchant. Ah non, c'est traumatisant. Non, non, je préfère me dire rien et penser à autre chose. Mais non, parce que j'ai vu, j'ai rematé le replay, il y avait des trucs que j'avais pas vu que vous avez dit dans le chat. Et il y avait quelqu'un qui disait, Sayard, je crois, qui disait, mais mets un mot dans le hall et tout, je veux pas savoir. Madame Emelard, elle est où? Il est 10h! When I got the money for you. J'avoue, comme dit Matt Pony, maintenant que tu es sur Twitch, tu pourrais faire un effet tout noir avec des streamers. Bah, c'est aussi. Oui, j'ai pas poussé ma réflexion, mais quand j'en referai, je referai bien une saison. Et j'aime bien l'idée de faire une saison comme j'avais fait à l'hôtel en tournée de stand-up. Et j'ai aussi dans un coin de la tête l'idée de faire une saison estivale dans des maisons de campagne ou en province, en région et tout. Mais j'ai aussi, bien évidemment, j'aimerais bien faire une saison avec des streamers. Une saison avec des streamers. Idéalement qu'il soit pote, et comme ça tu peux faire lui qui m'emmène chez lui, qui m'emmène chez lui, qui m'emmène chez lui. Mais le problème c'est que je fais pas des effets tout noirs avec des gens que je connais pas trop. Et du coup faut que ça se fasse naturellement, quand ça se présentera naturellement quoi. Je vais pas aller contacter des gars que je connais à peine pour dire Et puis en vrai je crois que y a quand même beaucoup de streamers. Streamer c'est très intime parce que tu montres, t'es souvent en live, tu parles de David, tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi beaucoup de streamers qui, en plus de ça, n'ont pas envie de montrer totalement chez eux. Et du coup, je suis pas sûr que ça soit une idée qui les enchante tous. Mais on verra. Mais on verra peut-être un jour. En tout cas, j'aimerais bien. Si ça se présente de manière fluide, j'aimerais bien. Là, ça me semble prématuré. Mais faire une session, ça a du sens en plus, vu que là, maintenant, je suis sur Twitch. Donc de faire le pont entre ce que je fais sur YouTube et ce que je fais sur Twitch.
Voilà, typiquement, Antoine Daniel ne montera jamais chez lui. Voilà, exactement. Après, il y a des streamers qui sont cool, mais que tu peux avoir en accompagnant, tu vois. Parce que moi, j'aime beaucoup Antoine Daniel, mais c'est juste qu'on ne se connaît pas, donc ça me semble. Ça sert à rien de commencer à s'imaginer des trucs, quoi. Mais après, ce qui est bien aussi dans cette émission, c'est quand il y a un invité qui est cool, mais qui ne veut pas trop montrer chez lui, bah, tu peux quand même l'avoir dans l'émission, parce qu'il peut t'accompagner chez quelqu'un, quoi. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait toute une petite team à Montpellier, bon, ça semble un peu cohérent, mais ça ne l'est pas pour l'instant, étant donné que j'en connais quelques-uns, mais vraiment vite fait, quoi. Enfin, si, je suis extrêmement pote avec Bagheera, comme on a pu le voir dans Popcorn, bien évidemment. What about you got a friend? Et après, oui, puis ça peut être aussi marrant de qu'on lance un live les yeux bandés. C'est qu'ils préparent leur setup avant et qu'en fin d'émission, ils lancent un live les yeux bandés et qu'ils commencent à streamer les yeux bandeaux. Ça pourrait être rigolo. Mais il est l'heure, là. Le roi Merlin vend des ampoules de frigo. N'importe quoi, Poulpic. D'ailleurs, faut que j'y aille. Vu que toutes mes prises connectées marchent plus, là. Ok, on va pouvoir lancer les festivités. Helen and the fucking boys ou quoi? Je crois que oui. On remet la casquette droite et c'est parti. 701, mais on est à plus de 701, non? On est que à 701 sub là. On est à 704. On va mettre. Ah non, 703, pardon. Pardon, 703. On va mettre à jour, mais ça va encore tout effacer, ça m'énerve, je comprends pas ce truc. Putain, c'est bon, ça l'a pas fait. 703. Bam. Bam. Bam, 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 bam. Alors. Ah, faut que je mette les bons gaz aussi. Alors, pour les gens qui ne nous auraient pas vu cette semaine, regardez, nouvel overlay. On teste cette configuration-là. Elle me semble pas mal. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais elle me semble pas mal. 1 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
Alors, sur TV, c'est encore plus incroyable. Trop bien. Juste, on comprend pas trop pourquoi, c'est un peu flou. Parce qu'apparemment, regardez, là, quand je vais mettre dans la télé le truc, c'est beaucoup plus net. C'est bizarre, hein. Et on comprend pas pourquoi. Bah sûrement parce que voilà, je passe pas. Là, c'est juste une capture d'écran, ça. Ça, c'est une capture d'écran. Et ça, c'est un URL. En dessous de moi, c'est un URL rentré dans une. Dans OBS, quoi. Mais c'est bizarre que ça floute autant, quoi. 3 semaines de vac, je voulais que Rosie ait disparu. Bah non, là, Rosie, c'est. Bah Rosie, en fait, en vrai, elle remplace un peu Johanna, parce que vous le savez pas, mais Christian et Johanna. Historiquement, c'était ça, elle était sur les côtes tout le temps de Christian, et Christian il faisait « Oh, arrête !» Donc c'est juste une reproduction de Christian et Johanna, ce qui se passe avec Rosie et Olivier. Et du coup, Rosie et Olivier la repoussent, du coup, mais la repoussent de manière insup, mais comme le faisait historiquement Christian, quoi. Mais c'est juste que comme Christian, avant qu'il devienne une grosse merdasse, bah, il l'aimait, Johanna, et qu'il avait un côté un peu petit gars, et elle, grande meuf, machin, il y avait un truc qui fonctionnait mieux, qui était un peu moins... Enfin, qui était culte. Mais j'avoue, Olivier, Rosie, je crois pas que ça ait marqué autant les gens que Christian et Johanna, quoi. Alors, Hélène et les garçons, c'est quoi? C'est une formidable sitcom. Bien mieux que Friends. Bien mieux que Friends, évidemment. Alors, attends, il y a Etim qui dit « Laisse le calque avec l'URL, mais pour tester, crée un nouveau calque, capture de fenêtre, et tu mets la fenêtre du bingo. » Ouais, mais du coup... Ce qui est chiant, c'est que je dois le recaler à chaque fois. Parce que là, moi, ce qui est trop pratique, c'est que moi, quand je déplace ça, eh ben, il ne bouge pas. Alors que si je faisais une capture de fenêtre, faudrait que je le recale à chaque fois. Tu vois? Voilà. Donc, c'est ça qui est un peu relou. J'aimerais juste bien que la fenêtre de l'UE... Parce que si je fais ça, oui, ça sera en meilleure qualité, quoi. Mais bon, bref, je verrai ça plus tard. Alors, Hélène et les garçons, c'est quoi? C'est une sitcom dans les années 90. Une bande d'étudiants qui sont tous en couple et qui se roulent des pelles à longueur de journée, qui ne vont jamais en cours, qui ont un groupe de musique. Les filles, elles vont à la salle de sport et les garçons, ils vont au garage pour répéter. Wouhou! Il y a 4 couples. Le premier couple culte, c'est Hélène et Nicolas, bien évidemment. Bah oui, bah Etim, je sais pas, je verrai après, là, j'ai lancé les festivités, mais au pire, tu me rediras et je retesterai. Ah oui, d'accord, c'est la différence entre capture de fenêtre et capture d'écran. Faudrait que je fasse une capture de fenêtre et ça bougerait plus. Ah. Ok, bah c'est intéressant, je vais me le noter sur le déco. Et je vais jamais le faire. Capture de fenêtre différent de capture d'écran. Ah là là, si j'étais un pro de la tech, qu'est-ce que ça serait bien. 4 couples. Premier couple, Nicolas et Hélène. Hélène, elle a une case. Hélène, conseil de merde. Nicolas, il a une case. Juste à côté, la case, Nico fait une grimace. Pourquoi? Bah parce qu'il fait des grimaces, bien évidemment. Deuxième couple culte, Lali et Sébastien. Lali en ce moment, elle a une case qui est Adeline et Lali. Donc par extension, voilà. Sébastien, il a une case en ce moment, c'est Sébastien rit trop longtemps. Il a tendance à mettre un peu trop d'intensité dans tout. Et quand il en met trop dans les rires, ça nous régale. Troisième couple culte, Béné et José. Béné en ce moment, elle a une case mais qu'on ne coche pas parce qu'elle file le parfait amour avec José. Mais souvent, elle pousse des gueulantes sur José en mode « Ça suffit! José, c'est la dernière fois que je vais entendre parler de ce gars !» Jamais devant lui, hein, toujours dans son dos. Et puis au final, elle nous fait un petit pardon express, d'où la case pardon express. Elle est donc en couple avec José. José, il a une case de bingo qui est la case sacré José, qui est une case qui nous fait défaut. Hein. Mardi et mercredi, on avait 7 lignes qui étaient prêtes à être faites. Il manquait plus que sacré José. Et malheureusement, il fait que rouler des pelles à Béné. Et il fait plus de blagues, donc on n'a jamais pu cocher cette putain de case. Est-ce qu'on pourra la cocher aujourd'hui? On espère. Et enfin, quatrième couple culte, enfin pas encore culte en vrai, on va pas se mentir, Adeline et Christophe. Adeline, elle a sa case, c'est Adeline et Lali, et Christophe, il a pas de case. Depuis qu'il a été relooké, qu'il s'habille comme une grosse merde, il a plus de case. Il y a également dans cette série Olivier, le nouveau... qui joue des gars qui vient jouer des gongis, des bongos, des schlungas. Il a sa case. Olivier joue des schlungos, ici, là. Il y a une nouvelle meuf qui est à fond sur Olivier, qui s'appelle Rosie. Elle l'attrape tout le temps par le cou, donc on a la case Rosie attrape Yo-Yo, car elle l'appelle Yo-Yo.
Nous avons également Nathalie, la méchante, Manu, le frère de Nathalie, la méchante. Nous avons également Linda, le mannequin international, qui en ce moment est au cœur de l'actualité. Linda, le mannequin international, ex de Sébastien. On va voir ça tout de suite, pourquoi elle est au cœur de l'actualité. Zaza a disparu, hein. Vous noterez que Zaza a disparu. Donc ça, c'est l'épisode d'hier. Dans l'épisode d'hier, on découvre que Rosie est venue dormir dans le lit d'Olivier. Regardez, hop, dodo avec lumière. Alors ça m'a un peu choqué, hein, parce que moi, ça s'est jamais arrivé dans la série. Parce qu'on ne comprend pas où est-ce qu'il baise, hein, parce que les chambres étudiantes ne sont pas mixtes. En tout cas, là, Rosie est venue dormir dans le pieu d'Olivier. Du coup, Olivier a dormi dans la baignoire. Regardez, là, il arrive en mode « J'ai dormi dans la baignoire ». Salut, j'ai dormi dans la baignoire. Voilà, ça explique des trucs de la veille. Ça dit « Vous auriez vu sa tête », tout ça comme d'habitude. Donc là, il dit qu'il en a marre de Rosie. Rosie, elle se réveille, elle l'attrape par le cou comme d'habitude. Ensuite, on va dans la chambre des filles où on est sur la lubie actuelle de Lali qui est de passer son code, passer son permis, gagner une voiture à un jeu concours et écrire les paroles d'une chanson pour Thomas Fava. Bah oui, j'ai oublié un personnage culte, le grand méchant de la série, Thomas Fava. Ah oui, en ce moment, c'est ça vraiment l'actualité, quoi. Donc là, elle est en train de se dire, il faut que je gagne une voiture, il faut que j'écrive une chanson. Ensuite, on va en studio avec Thomas Fava, le grand méchant de la série avec les cheveux gominés, et John Wonder, son ingénieur du son anglo-saxon. Donc Nicolas, il arrive. Nicolas, il arrive avec un pull de droite autour du cou, on n'a pas compris. Donc il y a eu un super échange sur une bouteille d'eau. Nicolas, il a voulu boire dans une bouteille d'eau et Thomas Fava, il a dit « Bah non, je suis séropos ». Alors oui, il les force à leur écrire une chanson, alors que de base, il le déteste. Mais comme il est séropos, ils ont pitié de lui, parce qu'il leur a dit « J'en ai plus pour longtemps ». Du coup, bah, il semble évidemment logique qu'avant de décéder, il faut qu'il arrive à signer une nouvelle chanson de Nicolas et Hélène, qu'il les arnaque une dernière fois. Il y a un coup fourré quelque part. Mais en tout cas, regardez ce moment d'éducation sur la jeunesse. Je touche pas cette bouteille, non. Sur la séropositivité. Ne bois pas dans ma bouteille, Nicolas, bien évidemment, car je suis séropo. Excuse-moi. Non, mais c'est la mienne, j'ai plus dedans. Et alors? Bah, tu sais que je suis séropositif. Bah, tu sais bien aussi que ça se rattrape pas par la salive. Bah non, apparemment, il est pas au courant. C'est jamais, quoi. Non. Il s'est pas renseigné, Thomas Fava. Thomas. Arrête de te traumatiser avec ça. Hein, je suis pas traumatisé, mais j'essaye de préserver les gens qui vivent autour de moi, c'est tout. C'est très bien, mais c'est pas une raison pour m'empêcher de boire. Il a bu de l'eau séropo. Donc Nico, il a bu de l'eau séropo. Donc là, il regarde la bouteille séropo, il dit « Ah, sacrée bouteille séropo ». Donc ça, c'est Linda, le mannequin international, qui n'a rien à foutre avec cette bande d'étudiants, qui en ce moment traîne pas mal avec Manu, donc le frère de Nathalie la méchante. Et tout le monde dit, mais alors vous baisez? Ils disent, non, on est juste potes. Mais ça n'existe pas normalement, les amitiés hommes-femmes. Si, ça existe. Mais c'est ça, ouais, n'importe quoi. Donc voilà, c'est ça le propos de la série. Ensuite, on a raté les Kongis. Donc voilà, les Kongis ont été repeintes par. Ça devait être dans l'épisode d'avant. Ont été repeintes par Rosie. Du coup, on se disait, merde! Regardez en bas à gauche, les Kongis qu'on a rajoutés sont plus à jour. Et du coup, Floxay les a mis à jour le temps de l'épisode. Incroyable, bim! Les Kongis ont été mis à jour. Donc, on va enregistrer les Kongis. Illustration sans titre, c'est pas pro ça. Hein. Bongas Kongis. Yo-yo. Ah, j'ai plus le droit apparemment. Ah, j'ai plus de batterie dans mon clavios. Ça fait longtemps que j'attendais. Yo-yo. Hop, et on va tout de suite changer ce truc. On va se mettre les nouvelles Kongis. Mais bravo pour cette réactivité, Floxail. Et on va aussi se les mettre en emote, parce qu'on les avait mis en emote hier pour que vous puissiez les emoter, pour que vous puissiez les emoter B. On va se modifier ça, regardez. Alors... récompense de spectateur, émoticône. On va effacer les Kongis d'hier. On efface les Bongos. Et on met les Kongis. Ah oui, mais est-ce que ça va rentrer? Attends, j'espère que j'ai pas fait une erreur. C'est trop gros. Ça a l'air de passer. C'est passé! Bingos. C'est ça le nom? Bongis. Pardon, je me suis trompé. J'arrive pas à retenir comment ça s'appelle. Allez, vous les avez ou pas? On teste. Allez, mur de Kongis. Mur de Bingis. Dans le chat.
Allez, allez, mur de bingos. Et je vais les rajouter aussi sur, la, sur l'overlay, en bas, à gauche. Kingas. Hop là. Tac. Bim. Schlack. Pam. Boum. Schlack. Vluk. Vbuk. Alors, est-ce que c'est trop grand là? Vous me dites. Hein. Vous les avez pas les Kongis encore? Moi, ça, moi, il y a écrit Aurel P5 Bongis, il y a écrit hein, pour l'instant. Ça manque de... Ça marche pas très bien. Hein. Ça, ça dégage. Bam. 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 On a les Kongis. On a les Bongos. Merci, Fluxail. Ça apparaît, vous? Moi, ça apparaît une fois sur 5. J'ai reboot, mais ça sert à rien. Faites F5. Faites F5, les gars. Et les Ouzos. Donc voilà, les nouvelles Kongis. Le garage est de plus en plus large, vous noterez. Parce que là, José, il est vraiment un endroit donné qui, normalement, n'existe pas. On pourrait y mettre deux caisses dans ce garage. Mais juste, il n'y a pas de porte de garage. Donc si on veut y mettre une caisse, c'est un peu compliqué. C'est con, quand même, dans un garage qui est juste une porte comme ça. C'est dommage. C'est dommage. Donc là, il se passe quoi? Rosie, elle danse. Rosie, elle danse. Olivier, il dit qu'elle est casse-couille. Et ensuite, tout le monde se roule des pelles pendant 3 heures. Ah non! Ah oui, mais c'est parce qu'hier, il y a eu un sub-goal. Donc en fait, il y a deux épisodes à résumer. Donc on ne sait pas pourquoi, en ce moment, Sébastien... Ah si, on sait pourquoi. Il y a eu une scène où il s'est retrouvé tout seul à la cafette avec Linda. Donc ça a suffi. Ça a suffi pour qu'il se remette Linda dans la tête en mode « Mais Linda, quand même, elle est sympa, on a vécu des belles années ensemble. » C'est son ex. C'est son ex. Ne me demandez pas pourquoi, c'est son ex. Et du coup, il est tout seul au garage parce qu'il attend Lali, je crois. Et c'est ça. Et du coup, il a un flashback de Lali. Ouais, Georges Rochel. Regardez, il a un flashback de Lali dans lequel il se rappelle de tous ses formidables souvenirs comme la fois où elle lui a offert un pull trop grand. On a adoré ce moment. C'est le meilleur souvenir qu'il a avec Lali. Ah, ce fameux pull trop grand qu'elle m'avait offert. On veut revoir le pull trop grand. Le pull trop grand de Lali. Ah, ce souvenir de pull trop grand. Ah voilà, regardez. Elle lui a offert un pull trop grand. Donc ça, il a adoré comme moment. Donc il se remémore ce moment où elle lui a offert un pull trop grand. Après, il se remémore le moment aussi où ils se sont où ils se sont foutus sur la gueule à cause de Nathalie, là. Et là, il a adoré ce moment. Ah, le moment donné du pull trop grand et on s'est foutu sur la gueule. Sébastien? Je t'avais pas reconnu. Excuse-moi, t'étais à un mètre de moi. Non, c'est rien. En fait, je suis juste venu pour dire bonjour. Bah tu vois, je suis tout seul. Les autres sont tous partis chez Alfredo. Ah oui? Mais c'est pas grave, je vais partir demain le dire bonjour. Et toi, pourquoi tu es resté? Bah non, demain, c'est bonjour, c'est aujourd'hui. Hein. Demain, ça marche plus, elle a rien compris tout au concept. Seul, le garage. À ton avis? C'est pas vrai, tu attends Lali? C'est pas si c'est vrai. Hilarant. Tu restes avec moi un moment. C'est dangereux, hein. Il y a une tension sexuelle entre vous, là, qui est revenue. J'ai un rendez-vous à l'autre bout de Paris dans une demi-heure avec Manu. Ah. Bon, bah écoute, dans ce cas-là, je crois qu'il va falloir que tu y ailles, sinon tu vas être en retard. Eh oui. Tu embrasses toi pour moi? Regardez cette tension dramatique. Ouais. Okay. Je te raccompagne à la porte. Oh là là, les guitares! Ils vont se toucher la main. Je crois que tu vas être en retard, il faut que tu y ailles. Eh oui, faut que j'y arrive. Il y a une tension! Il y a une tension! Mais après, Seb, tu pourras quand même faire un peu gaffe. Hein. Elle a fait une TS, hein. Elle a fait une tentative de suicide à cause de lui quand même. Hein. Parce qu'elle n'arrivait pas à l'oublier. Ouais, Sébastien. Au revoir, Lina. On est là-dessus! On est là-dessus! Alors, qu'est-ce qu'on va se faire comme prédit? Qu'est-ce qu'on va se faire comme prédos? Pidalipa. Qu'est-ce qu'on va se faire comme prédos? L'amour! Bah ouais, on est là-dessus, hein. On est Linda et Seb, ils vont se péoche, quoi. Ou est-ce que José va retromper, Béné, quoi? Vous pouvez regarder, sourire et chanter. Attention, on va lancer une prédit. Vous allez avoir 2 minutes pour voter.
Allez, une minute. Une minute, là, c'est... Une minute pour vous prononcer. La question est, en majuscule, attention. Linda et Seb, bisous. Point d'interrogation. Linda et Seb, bisous. Que ce soit à l'image ou pas à l'image, est-ce que Linda et Seb vont s'embrasser? L'après-dit est lancé, vous avez une minute pour vous prononcer. Let's go la team. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode. Jean-Michel. Ça a le cœur tout rempli de chansons. Vous saviez que Jean-Michel, il avait le cœur tout rempli de chansons? À toutes les saisons, ils refleurissent. À toutes les saisons. Donc ça veut dire que chaque saison, ils défleurissent et ils refleurissent à chaque saison. C'est pas ça le système des saisons, normalement des fleurs, mais apparemment, l'amour d'un garçon, ça marche comme ça. Pour Jean-Michel. Ah, c'est une fille, c'est pas Jean-Michel, pardon. Je vous dis n'importe quoi. Excusez-moi, je suis pas concentré. Qui a réalisé cet épisode? Pour l'amour de Maurice Papon. Gérard Espinasse, le GOAT. Regardez, il est là. C'est lui, Gérard Espinasse. C'est lui qui nous a réalisé l'épisode. Sa petite tête, là, de Gérard Espinassos. Merci, Gérard Espinasse, pour la réal. Est-ce que l'épisode va commencer dans la chambre des garçons, dans la chambre des filles? Est-ce que quelqu'un va dormir avec la lumière? C'est parti. Mais qu'est-ce qu'a fait, Rosie? Fan service. J'adore Olivier. Ce retournement. Souvent, ces premiers mouvements d'épisode, quand il se réveille en sursaut, ou quand il se réveille, qu'il se retourne en sursaut, j'adore. Ce cheval aussi, là, j'adore. Je vous mets ce retournement, il est super. Ce toucher de chemise et ce retournement est super. Et vous noterez, mais nous, on sait. Combien de temps Nico il va se rendre compte que Sébastien il est tourmenté. Regardez Sébastien, comment il est tourmenté. Il y a tout dans ce premier plan. Il y a tout. Si seulement j'avais plus de poils sur le torse. Vous pouvez pas savoir le bien que ça fait, le bonheur que c'est de dormir dans un lit. Ça change de la baignoire, hein. Ah bah oui, oh bah, évidemment. Je vais même te dire un truc. Le type qui a inventé le matelas, bah c'est pas un imbécile. Eh oui, il y a des bienfaiteurs de l'humanité inconnue. Jean-Louis Matelas. Ah, semelle. Comment tu t'es débrouillé pour éviter que... On commence par une semelle de chaussures sur le lit? Bah oui, on dirait, parce qu'il fait ses putains de lacets... Ah, Nicolas, tu nous régales. On commence fort. Alors, semelle de chaussures sur le lit, et ça c'est non. Essaie de dormir dans un lit. Ça change de la baignoire, hein. Ah oui, c'est Emma Matelas, pardon, effectivement, c'est une inventeuse. C'est vrai que chaque fois je fais la blague, l'inventeur du matelas, c'est forcément un homme. Ça suffit. Je suis con, moi. Bah non, le matelas, ça a été inventé par une Emma Matelas. Oh bah, évidemment. Je vais même te dire un truc. Le type qui a inventé le matelas, bah c'est pas un imbécile. C'est une femme. Ça suffit un peu. Y a pas que des hommes dans la vie, Olivier. Il est con, lui. Je le déteste. Imbécile. Eh oui, il y a des bienfaiteurs de l'humanité inconnus comme ça. Dis-moi, comment tu t'es débrouillé pour éviter que Rosie vienne te rejoindre cette nuit? Oh bah, c'est très simple. Je lui ai demandé. C'est vrai que si elle revenait, c'est elle qui irait dans la baignoire et qu'en plein milieu de la nuit, j'ouvrirais les robinets. Ah, t'imagines, pour la noyer, je pense. Olivier, Sébastien, ça se voit hein, que t'arrives pas à choisir une chemise. Soit c'est vraiment du fanservice à balle, soit t'es malheureux, ça se voit, t'es tourmenté. Il est tourmenté, le Seb, j'aime pas. Le pauvre. Bah, Sébastien, qu'est-ce que t'as? Tu dis rien? Bah, je suis tourmenté. Oh, ça va, ça va. Pardon. Seb, tu as rejoint la lire? Pas assez fort le son. C'est toi le son, en fait. Le son d'avoine. Ouais, enfin, elle est arrivée assez tard. Son stage s'est bien passé? Ouais. Enfin, tu sais... Stage de conduite. Pas tellement de risques, hein. Ils sont... tu sais, ils circulent sur une piste déserte, avec des bottes de paille pour éviter les sorties de route. D'accord. MDR. Pourquoi nous conseiller les stages intensifs? Allez, tout le monde à poil. Tu vas pas rejoindre un café après? Bah, écoute, Lali était fatiguée, donc on a... Finalement, on a dîné dans un petit restaurant à côté du garage. Hein? Un petit restaurant à côté du garage? Attends, on en apprend. Quelqu'un peut noter qu'on comprenne un peu comment c'est foutu? Moi, je comprends pas. Où est la fac, la cafette, le garage et tout, là? Et le campus? Je veux tout comprendre. Quelqu'un fait un plan du dessus, s'il vous plaît. Et là, vous pouvez noter sur ce plan, à côté du garage, petit restaurant. Mais où apparemment, il n'y a pas de caméra. Un petit restaurant à côté du garage et ma pizzeria, alors? Oh, bah, je vais finir par me vexer, moi. C'est pas gentil du tout, ça. C'est vrai, il pourrait aller bouffer à la pizzeria du yo-yo. Yo-yo, il a des problèmes d'argent et la nuit, il est pizza yo-yo. C'est vrai qu'on pourra jamais venir dîner chez toi. Au fait, ça se passe comment? Oh bah, ça se passe plutôt bien. Je vais même te dire, ça se passe de mieux en mieux. Et si ça continue comme ça, je vais devenir le plus grand pizzaiolo de Paris, moi. Alors, bravo. Alors, bravo.
Sébastien, que tu penses? Je suis tourmenté. Ah, rien, rien. Choisis-la ta chemise, frérot. Il me semble que tu l'as donnée à la laverie. Attends. Quoi? Il cherche sa chemise bleue, il a dit? Il t'a pas vu ma chemise bleue? Qu'est-ce qu'on s'en branle de ta chemise bleue, frérot? Il me semble que tu l'as donnée à la laverie. Attends, voir hier après-midi. Mais c'est quoi, Nico? Attends, Nico, lui, il faudrait que je salue. Je dois demander de faire une cartographie de l'espace. Il note tout. Ah ouais, j'avais oublié. On dirait le étime de E. Bah, Sébastien, t'es sûr que ça va? T'as l'air un peu préoccupé. Non, non, ça va, très bien. C'est pas de problème? Non, je te dis que ça va. Je suis tourmenté. Dis-moi, c'est pas moi qui t'ai réveillé hier soir en rentrant? Parce que tu m'excuseras, j'ai fait un peu de bruit, je me suis emmêlé les pieds dans les... Si, c'est ça, et je vais te casser la gueule, tu m'as niqué ma nuit. Je sais pas, j'ai pas entendu. Et je suis tourmenté à vie. Bon. Par contre, ils ont la même coupe les deux, mais ça c'est pas cinématographique, j'aime pas. Ah, au fait, Nicolas, comment ça se passe, histoire de contrat avec Thomas Favard? Bah, je l'ai posé sur l'étagère dans le garage hier, je l'ai pas lu. Et toi, ça va? Alors, j'ai lu le contrat hier soir avec Hélène. Ah. On n'a pas tellement envie de le signer, étant donné qu'il s'agit d'un contrat de 5 ans. Quoi? My bad. Bah, ça sert à quoi de signer un contrat de 5 ans? Parce qu'il va dead Thomas Favard de toute façon. C'est lui qui le dit, hein. Il y a une perche au-dessus de Nico, regardez. Au-dessus de tout le monde d'ailleurs, il y a des perches partout là. Il y a les deux perches. On n'avait jamais eu deux perches. Regardez, il y a les deux perches. Au-dessus de Seb, au-dessus de Nico, il y a des perches partout. Nicolas, comment ça se passe, histoire de contrat avec Thomas Favard? Perche. Alors j'ai lu le contrat hier. Perche, au-dessus de Seb. Perche. On n'a pas tellement envie de le signer. Au-dessus de Nico. Il s'agit d'un contrat de... Double perche. On a une case double perche ou ça s'annule? 5 ans. Quoi? 5 ans? Oh là là. Moi je vous conseille pas de le signer. Enfin, c'est vrai qu'avec ce qui m'est arrivé à Los Angeles, hein. Mais oui, non, mais. Je suis d'accord avec toi, de toute façon, Hélène non plus n'a pas envie de le signer. Seulement Thomas, il tient vraiment. D'ailleurs, Sébastien, si tu veux jeter un œil, il est sur le bureau. Mais il faut pas signer, après, ils vont être coincés. Ils pourront pas sortir des chansons avec un autre label. Toutes leurs fins de chansons éclatées, où est-ce qu'ils vont les sortir? Le contrat. Oui, bah écoute, je regarderai tout à l'heure, d'accord? Pour l'instant, je suis tourmenté en scred. Tiens, faut que je me rase, j'ai complètement oublié. Non, tu es rasé là. Excusez-moi, j'en ai pour 5 minutes. Il va vraiment pas bien, hein. Il le cache mal. Bah alors. Bah écoute, c'est bien joli ces histoires de stage de conduite de Lali, mais bon, tu trouves pas qu'elle abuse un peu là? À mettre des papiers partout? Ça va. Bon écoute, Hélène, t'es trop gentille, tu trouves ça normal qu'on passe tout notre temps à... Perche, eh, c'est Gérard Espinasse, c'est Perche Academy là. Faire le ménage à sa place? Mais non, mais elle était pressée ce matin. Et puis tiens, on voit que t'as pas connu Johanna, toi, parce que tu serais ravie d'habiter avec Lali. Je te le dis. Ah bon, elle était plus désordonnée. Oh, c'est rien de le dire. En plus, elle avait des souvenirs du Texas partout. Bah tu vois, plus désordonnée que Lali, j'ai du mal à imaginer quand même, mais au fait... Moi, elle la déteste, hein, clairement. Adeline est Lali. T'as des nouvelles? Oui, j'ai reçu une lettre. Bah ça va, elle a repris ses études là-bas, et puis elle est chanteuse dans un groupe, tiens. What the fuck? Johanna, elle est chanteuse dans un groupe? Et le batteur, comment il est? Bah justement, elle arrête pas d'en parler, il paraît qu'il est adorable. Ah, bah c'est que tout va bien alors, sacrée Johanna. Et elle compte revenir? Bah pour les vacances peut-être, je sais pas, on verra. Elle te manque pas trop? Bah si, bien sûr. Mais enfin ça va, j'ai de la chance, j'ai retrouvé des amis formidables. Oh, mais c'est nous qui avons eu la chance de t'avoir rencontré. Bon. Bah ouais, pauvre Hélène, parce qu'au début de la série, Hélène elle est avec Cathy dans cette chambre et Johanna. Elle a plus du tout ses fraps du début, quoi. C'est deux nouvelles meufs, en vrai. Même Lali, c'est une nouvelle. Hein. Puis mange toute la journée ou on arrête? T'as raison, on arrête. Le plus important, c'est ce qu'on ressent. Alors, Iron Dams, très bonne proposition, qui dit nouvelle case, Adeline déteste Lali. Tellement une bonne proposition que... Allez hop, c'est bon, je l'ai mis et je l'ai même déjà coché, c'est parti. Sans se le dire. Voilà. Au fait, cette histoire de contrat avec Thomas Favard, vous en êtes où, Nicolas et toi? Bah moi, je sens pas du tout. J'en ai parlé hier soir avec Nicolas. Je sais pas, je me demande pourquoi il veut qu'on signe ce papier. Ouais, c'est vrai. D'après ce que vous m'avez raconté, vous avez raison de vous en méfier quand même. Ben oui. Tiens, qui ça peut être? Bah écoute, on va voir ça tout de suite. Oh, salut les filles. C'est inédit ça, non? Range pas trop. Non, on range un petit peu. Salut Marozy, alors t'es pas avec ton yo-yo au garage? Non, j'en ai marre de me faire jeter. T'es plus amoureuse de lui? Moi aussi, bien sûr. Mais bon, j'ai décidé de changer de tactique et c'est pour ça que je suis venue vous voir d'ailleurs. Échec test de Bechdel. Mais elle a pas déjà eu cet arc, Rosie? De dire il faut que je me comporte différemment pour réussir à plaire à Yo-Yo. C'est la bonne idée, hein. Si vous voulez séduire quelqu'un, faut changer. Absolument. Faut pas être soi-même.
Il faut changer et faire croire à la personne qu'on est quelqu'un d'autre pour qu'elle nous aime. Échec test de Bechdel. Des femmes entre elles parlent d'hommes. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Ah ben c'est Sam, vous m'avez proposé de m'aider à avoir plus de classe. Oui, enfin c'est toi qui nous a demandé de te proposer ça. Hein ? Ouais, ben c'est pareil. Enfin voilà, je suis d'accord, on va tout reprendre à zéro. Bon, alors t'en es sûre cette fois-ci ? Ben oui, je suis pas idiote. Hein. Il suffit de voir comment les garçons vous traitent et comment ils me traitent. Ça prouve que vous êtes beaucoup plus maligne avec eux que moi. Oui. Ou juste que bah, vous n'êtes pas fait pour être ensemble, peut-être. Plutôt avec quelqu'un qui te mérite, Rosos. Non, enfin, disons, sans vouloir te faire de peine, c'est vrai qu'on trouve que t'es un petit peu trop souvent derrière Olivier. C'est pas ma faute, je l'aime. Écoute, Rosie. Quand on aime un sac à merde... Hélène adore son Nicolas, mais c'est pas pour ça qu'on passe notre temps à les coller, tu comprends? Mais surtout s'ils nous aiment pas, en fait. Vous êtes sûr que vous les aimez autant que j'aime mon yo-yo? À mon avis, oui, quand même. Bon, alors comment vous faites pour pas avoir envie de les coller tout le temps? Mais attends, qui t'a dit qu'on n'avait pas envie? Ah bah si vous en avez envie, comment vous faites pour résister alors? Bon attends, Et... assieds-toi Rosie, on va t'expliquer. J'ai peur que ce soit un petit peu long, mais... Alors. Ah, c'est bien, on nous épargne les conseils de merde. Ah, Christophe... Christophe! Première fois depuis qu'il s'est fait relooker par les meufs qu'il est pas en Marcel. Première fois qu'il est pas en Marcel, mais par contre il a toujours pas remis sa casquette et il a quand même un look de merde. C'est un gilet orange. Il est en ouvrier quoi. Mais c'est fou. Ah bah oui, parce que ça commence à être l'hiver. Il caille en fait tout simplement avec ses Marcel à la con le Christophe quoi. Donc il a le droit de mettre autre chose qu'un Marcel, mais il faut quand même qu'il soit habillé comme une merde. Ah, Josos. Bénédicte, s'il te plaît, arrête, tu me déconcentres là. Oh non, ça y est, il commence à être lassé de Bénédicte. Mais moi, je vous veux amoureux, en train de vous faire des bisous tout le temps. Oh, mais j'ai envie de te faire des câlins. T'es tellement mignon en ce moment. J'en profite. Bah écoute, moi aussi j'en ai envie, mais tu comprends, les autres vont arriver, puis j'ai pas préparé mes sons, alors c'est pas sérieux. Là. Première fois qu'on la voit avec les cheveux attachés, Benos. Bah d'accord. D'accord, t'as raison, je te laisse. Mais attends, tu peux quand même me faire un petit bisou. Ah. Non, il paraît que tu dois préparer tes sons. Si, embrasse-le. Je passe 5 minutes. Allez, viens. Ah. C'est ça qu'on veut. Oh là là. Vous êtes vraiment trop mignons quand vous êtes comme ça, tous les deux. T'as pas un chantier à faire, toi? Merci, Christophe. Et toi, ça va avec Adeline? Ah, c'est un vrai chantier. Et en plus... On s'entend très bien. Vous vous rappelez l'époque où elle disait qu'il lui cassait les couilles, Christophe, parce qu'elle se faisait chier avec lui? Ça a été occulté. Parle, il dit amen à tout ce qu'elle veut. C'est normal. C'est comme ça qu'un garçon doit se comporter avec une fille. Seulement, toi, t'as pas encore compris. Ah mais si, ah si, j'ai tout à fait compris. Seulement, j'oublie. Je suis distrait, alors. Oui, ben tu ne devrais pas. Voilà, eh oh. Je suis d'ailleurs straight. Tous les deux, hein. Vous allez pas recommencer, ça va. Ils l'ont eu en fait, c'était un prank. Salut! Alors, on fait jamais ça. Mais là, j'ai envie pour le délire d'aller voir si leurs trois phases de bisous étaient dans la même minute. Mais je pense pas, parce qu'au début, en plus, ils l'embrassent pas, en plus. Non, il y a trop de temps. 7 minutes, puisqu'on a une case, 3 bisous en une minute. Bénédicte, s'il te plaît, arrête, tu me déconcentres. Non, là, ils l'embrassent pas, donc ça marche pas. Ça marche pas! On peut tout de suite aller à l'ouverture de porte. Y a-t-il une veste sur l'épaule? Et non, malheureusement. Salut! Veste sur le bras, veste sur la moitié du corps et non sur l'épaule. Et Olivier n'a pas de veste, assis dans la main. Salut! Salut! Petit poulet. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais partir tout de suite. Je suis juste venue raccompagner José. Ouais, elle a peur que je me fasse écraser dans la rue. J'y vais tout de suite, hein. Et sois sage. Ne t'inquiète pas, on le surveille. Mais dis pas ça. Allez, à tout à l'heure, les garçons, travaillez bien. Il est toujours sage, José. Non. Merci. Salut, Sébastien. Ah, oh, j'adore. Sébastien, quand il est tourmenté, là, j'adore. Ça se voit pas du tout. Comment il peut s'imaginer que ça se voit pas? T'es au courant quand tu fais un peu trop la gueule et que tes potes, ils vont le voir. C'est beau, l'amour. Fais une grimace. Eh oui. Oh putain, qu'est-ce qu'il me régale. Olivier, il me régale. Là, il entend Rosie arriver, c'est ça? Ah non, il cherche à aller derrière le canapé. Olivier, dis-moi, qu'est-ce que tu cherches là? Bah, je me demande où s'est caché Rosie. Oui, je sais pas, on l'a pas vu aujourd'hui. Bah, toi, t'étais persuadé qu'elle allait venir avec toi. Tu l'as pas vu? Bah, non, vous voyez bien qu'il est pas avec moi. Vous êtes sûr qu'il est pas là? Regarde autour de ton cou si elle est accrochée, frérot. Mais méfie-toi, hein. Elle t'a peut-être oublié. Oh.
Ouf. Je te parle pas de bonheur, hein. Arrête de crâner, je suis sûr qu'elle te manque. Alors. Écoute, c'est vrai qu'en ce moment, ça se passe plutôt pas mal. Tiens, donc on en profite. Oui. Bon, bah, Perche. Tout ça, on répète. Ouais. Oui, alors là, je vous demande un petit quart d'heure parce que j'aimerais bien retourner au studio. En fait, au-delà de répéter, il faudrait que vous créiez un morceau. Je vous rappelle qu'ils sont censés créer un tube pour Thomas Fava, pour qu'il puisse sortir un tube dans sa maison de disques dans laquelle il n'a pas sorti de tube depuis 6 mois, car il va bientôt décéder, c'est dire, car il est séropos. Donc, créez, ne répétez pas, créez un tube, bordel. Fava. Ah, à cause de ces fameux contrats, quoi. Ah merde, il doit aller voir Thomas, mais il taffe jamais, hein. Bon, bah c'est pas tout ça, on répète. Ouais. Oui, alors là, je vous demande un petit quart d'heure parce que j'aimerais bien retourner au studio voir Thomas Fava. Un petit quart d'heure ? Quelqu'un fait la cartographie de l'espace ? Apparemment, le studio de Thomas Fava, il est vraiment à côté de leur garage, quoi. Ah, à cause de ces fameux contrats, quoi. Et au fait, qu'est-ce que vous avez décidé, alors ? Bah, que 5 ans, c'est beaucoup trop. Pas très enthousiaste. T'as donné la durée du contrat, c'est pour ça que je voudrais lui demander quelques petites précisions. Bah, demande-lui de baisser la date. Sous aucun prétexte. Non, rassure-toi. Bon, bah, j'en ai pas pour longtemps, hein. Bon, bah écoutez, moi je. Bah, du coup, on a baisé notre matinée, quoi. On s'est donné rendez-vous ici, Nico se casse. Moi, je gueulerais, je dirais, mais frérot, moi j'ai des trucs à faire. Profitez pour faire un tour, hein. Je repasse tout à l'heure. Tiens. Où tu vas ? Réfléchir au bord de l'eau. Juste m'aérer un peu, j'ai besoin de marcher, c'est tout. Peut-être on va avoir une scène en extérieur. Tout à l'heure. Salut. Oh, pauvre Seb, il est pas dans son assiette. Bah, c'est la pleine lune ou quoi aujourd'hui ? Je sais pas ce qu'il a, il est d'un bizarre depuis ce matin. Ouais. Aïe. Alors, elle va appliquer les conseils de merde d'Hélène. Mon yo-yo, je suis juste venue te dire de pas t'inquiéter. Je passerai pas la journée avec toi au garage aujourd'hui. Voilà, j'ai d'autres trucs à faire et puis, bon, tu comprends, je commence à m'ennuyer à devoir tout le temps taper sur tes tam-tams. Hein? C'est tam-tam, c'est des bongis. Et une fille n'a pas sa place qu'avec les garçons, ça fait mauvais genre. Oh. Donc, j'ai décidé de passer beaucoup plus de temps avec les filles. Et puis au moins, peut-être que comme ça, tu te rendras compte que, en me voyant moi, je suis un élément indispensable à ta vie. Voilà. Mais il faut pas lui dire ton plan. Elle lui dit tout son plan, comme les méchants des films. T'es d'accord ? Mais ils sont ensemble ou quoi ? Elle lui fait un smaxis ? Elle lui fait un smack ? Elle lui fait un piou ? Bah oui. Bon, et ben alors tout va bien. Ah, en fait, salut tout le monde et puis au revoir maintenant. Hein. Elle s'est pris pour un méchant de James Bond, elle a tout révélé. Bah alors ça. J'en viens pas. Tu dois avoir raison, ça doit être à pleine lune. Des barres de rire. Ah oui! Juste un petit peu. Salut! Oh putain, elle est grosse la porte. Ça, c'est un vrai studio, c'est marrant ça. C'est pas un décor, ça, c'est un vrai studio où ils enregistraient les musiques du Club Dorothée et tout. Et dont ce qu'on entend qui est très Club Dorothée. Bah, il a son tube déjà, je pense. C'est bon, c'est réglé. Hein. Hey, salut Nicolas. Salut Nicolas. Alors, t'as pu parler à Hélène ? Oui. Mais dis-lui juste que c'est quoi tes conneries de 5 ans ? Excusez-moi, j'ai pas mal des trucs à faire là. On reprend tout à l'heure, John. Ok. Ok. Juste un petit peu. C'est rond, ça. Juste un petit peu. Pas grave. Ça fait du bien un petit break de temps en temps. On est toujours sur la même chanson de merde depuis 4 jours. Juste un petit peu. Alors, Hélène a lu le contrat ? Oui. Alors vous signez ? Je suis désolé, mais non. Écoute, Nicolas. Non, c'est pas possible, Nicolas. C'est une catastrophe, ce que tu me dis, là. Je vais décéder à cause de ça. Thomas, ni Hélène. Tu vas décéder de base. Depuis que tu as notre parole, ça devrait te suffire. Attends, je crois qu'on s'est pas tout à fait compris. Pour moi, c'est vrai, votre parole, ça me suffit, mais pour mon patron, il lui faut ce contrat. Donc on peut pas signer un contrat de 5 ans, c'est beaucoup trop long. Ah voilà, dis les choses. D'accord, mais alors, on peut faire 4 ans, si tu veux. C'est beaucoup trop. 4 ans, c'est beaucoup trop tôt, on a encore rien fait, même ton patron ne connaît pas, enfin. Mais ils viennent d'écouter vos maquettes. Ils ont trouvé ça super. Il faut absolument que vous signiez, Nicolas, absolument. Mais puisque tu as notre parole. Il n'a pas d'argument. Surtout quand c'est une question d'argent. Mais quel argent ? On n'a même pas commencé à enregistrer, enfin. C'est vrai qu'on coche, R ? C'est quoi ce bordel ? On est au milieu de l'épisode, on a R coché ? What the fuck ? Bah alors ? Écoute, Nicolas, j'ai besoin d'argent. De beaucoup d'argent. Pour me soigner. Ah bah, faudrait savoir. T'en as plus pour longtemps ou t'as besoin de beaucoup d'argent pour te soigner ? Qu'est-ce que tu racontes ?
Bah, la vérité, tu sais très bien ce que j'ai. Oui. J'ai demandé à mon patron une avance pour commencer un traitement qui coûte très cher. Combien de francs? Il la donnera que quand il aura le contrat entre les mains. Quoi? Attends, c'est une blague, mais pourquoi? Ça n'a rien à voir. Tu sais très bien comment ils sont dans ces boîtes-là. Non. Un contrat avec un artiste, ça vaut de l'argent. Ils ont écouté vos maquettes. En comité d'écoute, ils ont trouvé ça super. Ils ont trouvé que vous aviez beaucoup de talent. Vous étiez l'avenir du rock en France. Ils sont prêts à investir, à mettre de l'argent pour vous avoir. Enfin, comprends bien que ça n'a aucun sens. Ils sont pas visionnaires et qu'il faut qu'ils changent de métier. Ce sont les écrits pour toi, et pas pour eux. Oui, mais moi, j'ai besoin d'argent. Combien d'argent? Je vous en donnerai, on partagera. C'est pas la question, c'est pas le problème. C'est une question d'argent, tu le sais très bien. En plus, de ce côté-là, tout va bien. Mais enfin, moi, tout va mal. Oh, mais petit privilégié. Je t'en supplie, Nicolas. Je t'en supplie, signe et fais signer Hélène. Mais il ne le fait pas. J'ai besoin de cet argent pour me faire soigner, tu comprends? Pour me soigner. Bon, écoute, calme-toi. Tu te calmes, je te promets, je lui en reparlerai. Hein? Je lui expliquerai. J'ai pas envie de mourir, tu comprends? Je comprends. J'ai pas envie de mourir. Ah ouais? Les bouteilles d'eau, mais là il fait des câlins quoi. Ça aurait été drôle que Nico il fasse non, bouteille d'eau, ok, mais me touche pas. Il a pas envie de mourir. Linda, qui est la seule à pas avoir perdu le jeu de Mr Beast, du coup. Ah, Nico, Seb qui rentre dans le jeu. Mais putain, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Il vient se balader, il va à la salle de sport. Il a une veste sur l'épaule ou pas? Non. Salut Linda. Ah Sébastien, qu'est-ce que tu fais là? Je suis Sébastien. Ça va bien? Ouais, et toi? J'ai été prendre l'air à la salle de sport. Tu pas avec les garçons ce matin? Non, on fait une pause. Nicolas est allé voir Thomas Favre pour une sorte de contrat. Ah oui, les filles m'en ont parlé. Faut surtout pas qu'il signe avant de montrer ce contrat à un avocat. Il le sait, j'espère. Ouais, je crois bien. Tu fais un peu de gym? Eh oui, comme tous les matins. C'est dur de rester top model quand on habite en France et qu'on adore la cuisine française. C'est très belle pourtant. Oh, merci, mais c'est difficile d'en rester, tu vois. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Parce qu'il t'aime. Parce que je te trouve superbe. Oh là là, c'est gentil. Ça t'en dit si je continue parce que j'ai pas beaucoup de temps. Manu doit passer me prendre pour m'emmener à un casting. Non, ça m'ennuie pas du tout. Dis-moi, je peux rester un petit peu ici? Mais si, bien sûr. À te mater. Tu t'ennuies pas en train de me regarder faire des exercices? Non, je m'ennuie pas. C'est le vélo de Johanna, ça, par contre. Avant, tu ne supportais pas quand je faisais ma gym. Bah oui, mais tu vois, je crois que j'avais l'impression que tu m'échappais et puis j'étais jaloux. Oh là là, jaloux, mais comment ça? Jaloux des machines. Bah je te trouvais très très belle et puis j'ai l'impression que tu voulais être encore plus belle pour plaire à d'autres et puis voilà quoi. Mais toxique, ça, tu m'as quoi. Jamais dit. Tu sais Linda, il y a beaucoup de choses que je t'ai jamais dit. Mais... Mm-hmm. Ah bon? Bah c'est complètement con. Dis-moi, est-ce que tu te rends compte que Manu est amoureux de toi? Mais... Non, pourquoi tu dis ça? Parce que ça crève les yeux, écoute, à partir du moment où il tourne autour de toi comme ça, c'est pas pour rien quand même. Non, mais c'est juste un copain, tu sais, il s'ennuie un peu. Et le milieu de la mode, des photos, des mannequins, ça le fascine. Mmh. Tu sais qu'il est peintre? Ah non, je savais pas. C'est bien ce qu'il fait? Mmh. Oh, j'aime bien, mais c'est vrai, c'est difficile pour lui de faire son métier. Il va peut-être se mettre à la photo. Merci Fiona, tu régales. Mais il faut pas que tu t'imagines des choses sur lui et moi, c'est juste un bon copain. Ouais, pour toi sûrement, ouais. Enfin, pour lui. Tu sais, à mon avis, s'il tourne autour de toi comme ça, ça... Vu qu'il n'y a que ton physique, et je te rappelle, les seules choses que je peux te dire de bien sur toi, c'est que t'es belle. Donc c'est, je pense que c'est pareil pour lui, en fait. Je viens de dire ce que ça veut dire. Franchement, je ne crois pas. Vraiment. Et toi, tu n'es pas un peu jaloux, là, Sébastien? Moi, non. Pas du tout. Non, bon, il fait un petit peu de peine, c'est tout. Mm-hmm. Ah! Tout le monde. Ah, Manu, justement, on te parlait de toi. Bon, bien, j'espère. Salut. Je suis Manu. Salut. Laissez-moi être Manu. Mais il est déjà allé de partie, là? Non, je suis en avance. Je vous dérange pas, j'espère? Pas du tout, non. Moi, je crois que je vais y aller. Parce qu'à mon avis, Nicolas est rentré. On va prendre la répétition. Embrasse les garçons de ma part. Salut. Ok.
Take care. You too. Il lui a dit take care. Oh, des figurants. Bah, il l'aime. Il est en train de faire de la merde. J'ai vu la tête de mon héros quand je lui ai dit que je m'ennuyais avec lui, c'était à mourir de rire. Tu vois que ça marche? Ouais, bah attendez, faut pas aller trop vite parce qu'il m'a quand même pas supplié de rester avec lui. Ah non, mais c'est pas lui qui t'a mise à la porte. Déjà ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, vous croyez que ça va prendre combien de temps les filles avant qu'ils s'aperçoivent qu'ils t'aiment moins de moi? Ah! Oh, mais ça. Vous auriez vu sa tête, elle a dit, c'est ça? Tu vois que ça marche quand je lui ai dit. On a une case, quelqu'un dit voir sa tête. Vous auriez vu la tête de mon héros quand je lui ai dit. Bon, faut se réveiller là, on coche R. On cochait de ouf toute la semaine, là on coche R. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Que je m'ennuyais avec lui, c'était à mourir de rire. Tu vois que ça marche? Ouais, bah attendez, faut pas aller trop vite parce qu'il m'a quand même pas supplié de rester avec lui. Ah non, mais c'est pas lui qui t'a mis. C'est toi qui coche pas. Bah, mais faut que je coche quand il y a des trucs, ouais, vous êtes marrant. C'est vrai. Bon pas en cours, ouais, on peut cocher bon pas en cours, allez, ok. Bon, vous croyez que ça va prendre combien de temps les filles avant qu'ils s'aperçoivent qu'ils t'aiment moins de moi? Oh, mais ça, tu vois, c'est pas encore certain. Bah alors, à quoi ça sert qu'on fasse tout ça? Bien justement, c'est de lui donner la chance de s'en apercevoir. Si t'es pas tout le temps derrière lui à le coller, c'est là qu'il pourra se rendre compte que tu lui manques. Et vous croyez qu'un garçon, il est assez intelligent pour ça? Qu'est-ce que tu veux dire, là? Bah oui, quoi, les garçons, ils sont pas comme nous, hein. Ils sont tellement plus primaires. Tous ceux que j'ai eus jusqu'à maintenant, je les ai eus parce que je les excitais tout le temps. Je joue sur leur instinct de reproduction, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il y en a peut-être d'autres, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, ça, j'ai compris, il y a la vôtre. Mais bon, c'est risqué quand même, parce que... Imaginez, une fille débarque et elle se met à jouer sur l'instinct de reproduction de mon héros. Qu'est-ce que je fais, moi? Non, mais c'est comme ça, au moins, tu seras fixé, tu vois. Ça voudra dire qu'il t'aime pas. Oh, ben, moi, je veux pas qu'il m'aime pas, je préfère qu'il m'aime. Hein. Oui, bien sûr. Mais tu sais, Rosie, ce genre de truc, ça se commande pas. Ça vient ou ça vient pas. Ouais. Bon, vu comme ça marche avec les vôtres, moi, je veux bien vous faire confiance. Mais je trouve ça dangereux quand même. Mais non, aie confiance en toi. Puis tu vois, à mon avis, bah tu lui plais. Ah oui, tu crois? Bah oui, sinon il t'aurait pas embrassé comme ça l'autre jour. Ah, c'est vrai que ça décoiffé, hein. Wow, qu'est-ce qu'il embrasse bien, le saligo. J'ai ça long. Oui, Rosie, tu vas peut-être nous épargner les détails, hein? Non, excusez-moi, j'ai oublié que ça se faisait pas ce genre de truc dans votre milieu. Bon, allez, mais t'inquiète pas. Écoute, tu te contentes d'être gentille avec Olivier. Tu lui montres que tu l'aimes, mais sans l'étouffer. Et puis tu verras, ça va bien se passer. Ouais, j'espère. Oui. Oui, pas l'étouffer, c'est pas un mauvais conseil, hein. Parce que je sais qu'il y a la case Hélène conseil de merde. Bon, là, en l'occurrence, ça va, quoi. Ah, bah, qu'est-ce qu'il fait, là? Ne pas étouffer le gars. Nicolas, on est là. J'ai pas goûté. Écoute, Hélène, Thomas Fava a besoin de beaucoup d'argent. On va sacrifier notre carrière de musique. Bah oui, enfin, je t'expliquerai. Tu sais, toi qui n'est pas dans le groupe, d'ailleurs. On va faire des courses, hein? Bah pourquoi on peut pas rester? Moi, je veux savoir ce qui se passe. Je t'ai dit qu'on avait des courses à faire, alors maintenant tu viens. Après, bon, il l'aime pas, donc c'est vrai qu'on... Bon, allez, venez, on se fait kiffer. On coche Hélène conseil de merde, quand même, à un moment donné. C'est sûr, on coche rien, là. Ah, course à faire! Ah, mais on l'a virée, cette case! Mais putain! Elle a dit j'ai une course à faire! Je vais la remettre, moi je l'aime trop cette case. Moi je veux savoir ce qui se passe. Je t'ai dit qu'on avait des courses à faire, alors maintenant tu viens. Attends, ça va, j'ai compris! C'est pas pour lui de rester, c'est ça, mais m'arrache pas le bras, j'avais ce soir. À ce soir! Écoute Hélène. Nicolas, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça vaut du contrat de Thomas. Mmh. Non, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il fait, Nicolas? C'est pas vrai. Ouais, il a discuté avec Thomas Fava plus longtemps que prévu, c'est tout. Ouais, bah j'espère qu'il va pas se faire avoir. Parce que cette histoire de contrat, ça sent le piège gros comme une maison. Enfin, tu sais que Nicolas est un grand garçon, on peut lui faire confiance quand même. Ouais, il est peut-être assez grand. En tout cas, Hélène et lui sont bien trop gentils. Bah là, il attend juste l'aval d'Hélène pour signer, donc il va faire de la merde, hein. Quoi? Excuse-moi, de quoi tu parles? Je te parle de Fava et de son contrat. Non mais attends, t'as la tête ailleurs ou quoi, là? Non, non, mais excuse-moi, ça va. Oh. Mets-lui une droite. À mon avis, oh, il se fait un sang d'encre pour sa petite Lali. Non, Marc, je te comprends. Tu sais, l'imaginer au volant d'une voiture, c'est pas très rassurant quand même. Ouais, enfin. Non, mais elle va l'avoir son permis de toute façon. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait en rappel là ou quoi? Bah, il manque Nico en fait.
Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous n'avons toujours pas notre guitariste. Ouais, c'est vrai qu'il m'a un petit peu de temps arrivé, lui. Il est con, hein. Par contre, toi, t'as pris tout ton temps pour ton petit aller-retour. T'étais où? Je suis allé marcher un peu, c'est tout. À la salle de sport. Ouais. Et au fait, à propos, vous avez pas remarqué, là? On doit avoir de la chance, c'est pas possible. Mais on est au calme pour une fois. Ouais, mais ça faisait longtemps que ça nous est pas arrivé. C'est juste dommage qu'on répète pas, quoi. C'est vrai que ça fait du bien d'être tranquille. Elle te manque pas trop, ta petite Rosie? C'est vrai que ça me fait un peu drôle que personne m'appelle mon yo-yo et me saute dessus. Ouais, mais là, méfie-toi. Parce que là, tu es sur la pente dangereuse. Et si jamais ça continue comme ça, tu ne vas pas tarder à t'apercevoir qu'elle te manque, ta Rosie. Et là, ça... Oui, c'est vrai que techniquement, Nico, il a dit j'en ai pour un quart d'heure. Donc, let's go, quelqu'un est en retard. Hein. Mal. C'est vrai ce qu'il dit, t'as un pied dans le gouffre. Enfin, écoutez, ça va, faut pas exagérer quand même, j'en suis pas à ce stade. Salut. Salut. Rebonjour tout le monde. Ben voilà, quand on parle du loup. Alors, tu te sens mieux, mon yo-yo? Trois bisous. Vous parlez moi, là? Les bras. Manque mon yo-yo, c'est vrai? Oui. On peut cocher la case, Rosie attrape yo-yo. Ça va, on se rattrape un peu, mais on est quand même sur une fin d'épisode. Hein. Il y avait une veste sur l'épaule? Bonjour tout le monde. Mais non, c'est une veste sur la moitié du corps, ils nous font chier avec ça. Rosie, elle sait pas mettre sa veste sur l'épaule. Bonjour tout le monde. Ben voilà, quand on parle... Alors, je vous commande quand même, parce que les gens vont m'embrouiller, que vous voyez que je suis quand même... C'est la loi, en fait. Je vous rappelle, j'ai un huissier, il y a écrit ici « et non sur la moitié du corps ». Je peux pas tricher, l'huissier me regarde. Du loup, alors tu te sens mieux, mon yo-yo? Hein? Vous parlez moi, là? Je t'ai manqué, mon yo-yo, c'est vrai? Du calme, Rosie, du calme. Je veux seulement que tu me dises que je t'ai manqué. Un peu. T'es contente? Ah, génial, et puis je vais manquer, ça marche. Mais ouais, mais ton plan, tu dis trop ton plan. Ça peut pas marcher si tu dis ton plan. Mais alors? Je dis ça pour lui faire plaisir, parce que sinon... T'es sûr que c'était pour lui faire plaisir? Hey, vous n'avez pas bientôt fini, tous les deux, avec vos messes basses, là? Ils ont même pas joué une fin de morceau. Ils ont même pas joué en fin de morceau. Tu l'as mis un vent, les figurants comptent ou pas? De quoi? Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas coché Sacré José, bah il fait pas de blague là. Là, ils vont arriver, Nicolas et Hélène, ils vont dire, écoutez, il faut qu'on vous parle. Et fin d'épisode, ça va être ça là. Ils ont même pas joué une fin de morceau, putain. Olivier, il a même pas joué des congas. José, je crois pas que t'aurais quelque chose de mieux à faire. Un bisou! Si, oui. Excuse-moi. Ah. Ouais, hein. Bah, moi, je suis toujours les bons exemples. Et Rosie, y a pas de bisou avec Olivier? Bisou collectif, là? Alors, ma petite Rosie, tu ne sautes pas au cou de ton yo-yo? Ah, on est d'accord, José. Non, pour l'instant, j'ai pas envie. Peut-être un peu plus tard. Putain, on se fait parasiter notre bingo, c'est pas possible! Ah bon? Eh ben vous étiez ensemble les filles ou quoi là? Eh ben écoute, Rosie et moi on faisait du shopping et puis on a croisé Bénédicte. Et oui, et comme on n'avait pas un centime, eh ben on s'est dit que ça serait beaucoup mieux de venir vous voir. C'est une excellente idée ça. Ah. Il faut qu'on vous dise quelque chose, fin d'épisode. Bah, on est baisés. Maintenant pourquoi t'es en retard, Nicolas? Hein? On est retourné voir Donna Favard et on a signé. Pour 4 ans. Quoi? Ils ont signé pour 4 ans, putain! Ils ont signé pour 4 ans, mais ça engage tout le groupe en plus! Ça va pas à la tête ou quoi? Mais eux, ils vont jamais comprendre. Vu qu'ils leur cachent cette séropositivité secrète. Mais putain! C'est clair que là, Hélène conseil de merde, oui, là, Hélène décision de merde. Mais c'est pas possible! 4 ans! Vous vous rendez compte? On est retourné voir Donna Favard et on a signé. Pour 4 ans. Et il leur jette le contrat à la gueule. Et il les tabasse. Quoi? Et on peut pas vous dire pourquoi. On n'a pas fait de ligne de bingo. Ils ont signé pour 4 ans. C'est dur, hein. C'est dur ce qui se passe. Hein. Thank you.
C'est le câlin là, c'est son câlin là. Mais ouais, c'est quoi? Pourquoi il est 10h56? Comment c'est possible? Parce que j'ai commencé d'habitude, je commence toujours en retard en fait. C'est quoi cette blague? Dimex, fin d'épisode 10h56, c'est un record, clairement. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ils ont signé? Pourquoi ils... Mais Maria Yaya, c'est toi déjà hier qui a offert... Maria Yaya vient d'offrir 30 subs, les loulous. Alors pour les gens qui nous rejoignent, il y a un sub goal. Il hein. Y a un sub goal pour lancer un deuxième épisode. Et Maria Yaya craque son slip et son PEL. T'étais là hier sur Mario Kart, Maria Yaya, parce que je t'ai chanté à la mort sur Mario Kart pour te remercier, mais je crois que tu n'étais plus là. Tu viens d'offrir 30 subs, Maria Yaya. Maria Yaya! Mais Maria Yaya! Bah écoutez, Black Wolf, Bravo Fiasco, Delph Alfuxi, Calmo, bon je vais pas tous lire, mais vous pouvez remercier Maria Yaya, vous êtes peut-être même pas là, mais qui vient de lâcher 30 subs. Mais attendez, donc là on est à 735, attendez ça se trouve on est à plus que 735, donc le sub goal c'est 750 pour lancer un deuxième épisode. Il y a écrit qu'on est à 735, mais il est possible que ce soit un peu plus, parce que ça se met pas toujours bien à jour cette barre, on va vérifier ça ensemble tout de suite. 736, ah merde, il n'y a pas une grosse... Ah bah si, on est à jour. Putain, elle marche! Ça y est, la barre marche! Mais Maria Yaya! Maria Yaya! Mais Maria Yaya, tu voudrais pas filer du blé à Thomas Fava? Parce qu'apparemment, il a besoin d'argent. Parce que ça nous arrangerait, en fait. 741? Oula. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Là, c'est un donneur anonyme. On a passé la barre. Je crois qu'on a passé la barre. Je crois que nous avons officiellement passé la barre. Mais putain, vous êtes fous. Vous êtes fous! Bah merci, un anonyme gifter. Merci, DJ Dice. J'espère que je dis bien ton blaze quand même. Merci, Orlug. Vous êtes fous. Merci, Alex. Vous êtes fous. Je ne sais que dire. Vous êtes dingos. Vous êtes dingos. Merci, Marc-Olivier Faudel. Eh, c'est bien ce jeu de mots, Marc-Olivier Faudel. Merci beaucoup Marc-Olivier Faudel pour ton prime, pour ton premier mois. Regardez ce qu'il dit d'ailleurs Aurel sur les primes dans le chat, c'est une dinguerie. Merci Nanouchka pour les 5 abonnements offerts. C'est incroyable ce qui se passe. Ouais, c'est plutôt incroyable ce qui se passe. C'est, surtout qu'on n'était jamais monté aussi haut dans l'histoire de mes lives. Hein. À 700, on avait passé les 700, mais à 757, c'est une dinguerie. Merci beaucoup, vous êtes fous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes fous. Est-ce qu'on se remélangerait pas cette grille? Parce que en vrai, on a vachement coché toute la semaine, mais on n'a fait aucune ligne. Donc, genre, sans tricher, genre, je la mélange et j'y touche pas. On fait ça? C'est Maria Yaya qui décide. Est-ce que Maria Yaya, tu veux qu'on mélange ta grille? C'est ta grille. C'est ta grille. Nanouchka, c'est ta grille. Anonymous Gifter, c'est ta grille. Maria Yaya, c'est ta grille. Est-ce que tu... Ah, mais t'es pas dans le chat, Maria Yaya. Je sais pas si j'ai déjà vu ton blast dans le chat, donc peut-être que c'est chiant pour toi de répondre. Mais si tu, en tout cas, voilà, si tu ne veux pas, Maria Yaya, qu'on mélange la grille, sors de ton lurk, et je la mélangerai pas. Mais je pense qu'il faut qu'on la mélange, parce qu'elle est maudite, cette grille. Toute la semaine, là, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup coché, mais mardi, mercredi, on a coché à la mort, et il manquait toujours une putain de casse, quoi. Ah, t'es là ! Oui, on mélange. Merci beaucoup, Maria Yaya. Si je savais passer VIP, je le ferais. Mais ça marche plus. Je crois qu'il n'y a que moi qui peux le faire. C'est quoi le process déjà? Parce que les gens ils disent tout le temps dans le chat, faut la passer VIP. En tout cas, on est à ton service. Donc on va mélanger la grille de Maria Yaya. C'est sa grille. Oui, il n'y a que toi. Mais c'est quoi déjà la commande à faire pour que j'essaye? Je vais réessayer. On va mélanger la grille de Maria Yaya. C'est son live. Hein. Vous êtes bienvenue sur le live de Maria Yaya. Faut renommer le titre. Faut renommer la chaîne. Alors. Je réinitialise et vous êtes prêts, on mélange. Hop là. Ok, fin d'un morceau au milieu, c'est bien parce que la case du milieu elle est très importante vu qu'elle est reliée à cette case là, à cette ligne là et ainsi qu'à aux deux lignes de diagonale. Donc c'est au milieu, c'est remélangé. Ça te va comme ça la configuration, Maria Yaya? Tu nous dis hein. Tu fais slash VIP pseudo. Ouais, mettez-vous d'accord, vous dites pas tous la même chose.
regarde le message de Maria Yaya. Ah. Elle dit qu'elle veut pas être VIP. Techniquement, je fais un peu partie indirectement du Aurélien Prévost YouTube Universe. Je suis la fille de Bruno le Skipper. Ah, c'est culte ! Donc je me sens personnellement impliqué. Oh, c'est incroyable ! Ah ouais, tu régales ! Alors, je vous montre du coup la tête de son père, qui est culte. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une vidéo qu'on a sortie l'été dernier avec Freddy et Annie sur ma chaîne YouTube. Alors attendez, elle est où ma chaîne YouTube ? Incroyable ! Ah mais tu es culte ! Bah, ton père est culte, hein. Et regardez son père s'il est pas beau. Regardez-moi son père s'il est pas beau comme un camion. Il est là, il est sur un bateau. Oula, tu es où ? Où es-tu, père ? Il est là, regardez, c'est le père de Maria Yaya. Sur un bateau. Bruno, le skipper culte. C'est génial. Eh ben écoute, ça régale. Merci beaucoup. Maria Yaya, tu nous régales. On va pouvoir lancer un deuxième épisode avec un plaisir dissimulé ? Je ne crois pas. Bah tu es culte, écoute. Et donc si je veux essayer de la passer VIP, la commande exacte, et c'est grâce à... Et pour info, c'est elle. J'avais demandé, est-ce que vous avez un daron à vous en Normandie et tout qui serait cool et qui serait prêt à venir vous amuser avec nous. Et du coup, bah, il était venu s'amuser avec nous parce que sa fille lui avait dit qu'on était cool. Mais lui, techniquement, ton papa ne nous connaissait pas du tout, quoi. / VIP pseudo. Alors attendez, on lance le deuxième épisode dans une seconde. Je tente juste cette commande. Alors. / VIP. Et le pseudo avec arrobas, du coup. Et avec un espace. Comment on fait le arrobas avec un clavier PC ? Oh, putain, c'est chiant ! Alors, attendez une seconde. Je vais taper arrobas et je vais le copier-coller parce que c'est de la merde les PC. Maxi Bureau, non c'est pas ça. Quand je trouverai Namur. Ok, on y est presque. Coller et du coup Maria, est-ce que ça va marcher ? Parce que la dernière fois qu'on a testé, ça marchait pas. Du coup, j'ai des représentants des gens du fait que ça marchait pas. Pas besoin d'arrobas. Ah. Est-ce que ça a marché ou pas ? Vous avez ajouté Maria Yaya comme VIP sur cette chaîne ! Yihi ! Let's go ! Je suis un pro de la tech ou pas ? Oui. Je suis totalement un pro de la tech. C'est incroyable ce qui se passe. Bah merci beaucoup. Merci encore à Maria Yaya, bien évidemment. Merci à tous les donateurs, à Did Dice, à The Anonyme Gifter, grâce à qui nous pouvons lancer un nouvel épisode. Et cela régale. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode. Alors, on va se faire une nouvelle prédit. Ils n'ont pas l'air d'être à deux doigts de se rouler des pelles, quand même, hein, les Linda et Sébastien, là. Ah, du coup, on peut valider la prédit d'avant. On peut valider la prédit d'avant. Il n'y a pas eu de bisous entre Linda et Seb. Qu'est-ce qu'on se pose d'autre comme question, là, actuellement ? Qu'est-ce qu'on se pose d'autre comme question pour la nouvelle prédit ? Tintintintin. Merci, Edra Alzar, pour le troisième mois. Fava Mito, Lali présente. Elle a l'air d'être en vacances, effectivement, Lali, là. Fava, ouais, mais même si Fava il est mytho, on le saura pas tout de suite en fait. Je pense que là, je pense que j'ai envie de refaire la même. Hein. Moi, c'est ça là qu'on se pose comme question. C'est, j'ai faim. Est-ce que vous entendez mon ventre gargouillosser ? Est-ce que ça va se, est-ce qu'ils vont s'embrasser hein ? Choisir le choix de la prédiction. Linda et Seb bisous. Non. Alors je valide la prédit. Il y a pas eu de bisous. Et laissez-moi vous dire que je vais relancer. Bah pourquoi il me la propose pas ce bâtard ? Ah si. Laissez-moi vous dire que je vais vous proposer exactement la même. Vous avez une minute pour voter. Linda et Seb, bisous, c'est parti. Une minute pour voter, c'est parti. Ok. Parce que s'il est passé repos, on le saura pas tout de suite. Mais c'est vrai qu'ils auraient quand même pu demander une preuve, en fait. C'est le grand méchant de la série. Il les a totalement arnaqués par le passé. C'est un gros voleur méchant et tout. Et eux, ils signent sans demander une preuve de la séropositivité du gars. Ça n'a aucun sens. Merci encore à toi, Maria Yaya. Et bonjour à ton daron. Le skipper culte. Tain,
Tintin. Qui refleurit sa toutes les... Par contre, j'ai... Bon, je me retiens, allez, je me retiens pour ma yaya. J'ai un petit peu envie de cep, mais c'est tenable. Je vais voir monter le son. La qualité de l'image est à chier. Maria Yaya, tu peux faire un truc pour la qualité de l'image, s'il te plaît ? Et ça peut tellement souffrir quelquefois. Pour l'amour d'un garçon. Tintintin. Tintintin. Bon, Nicolas, je te répète que c'est carrément inconscient d'avoir signé ce contrat avec Hélène. Si on l'a fait, c'est quoi ? Il y a José dans la chambre, ça j'adore. Parce qu'il n'est pas dans le campus, José, donc quand il est dans la chambre, je suis heureux. 65% des gens ont dit non, pas de bisous. On avait nos raisons. Ouais, mais c'est bien ça le problème. Ça fait un petit moment que t'as tes raisons, hein ? Et que tu ne tiens absolument pas compte de notre avis. C'est iconique, ils sont 45 dans la chambre. Merci Marianne Fossorier pour la réalisation de ce nouvel épisode. Ça va être un épisode banger, ça. En fait, j'ai trop envie de pisser. J'ai trop envie de pisser, donc je vais dire... vous pouvez dire aux gens où je suis ? J'arrive. Ok, let's go. Je demande juste de me faire confiance. C'est pas dur. Mais pourquoi il leur dit pas ? C'est genre, c'est si tabou que ça, la séropositivité, quoi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on peut compter un savent pas s'asseoir là ? Je pense pas, mais c'est assez culte pour le remarquer. Bah, pourquoi ? Ils sont bien, là. Ils sont en arc de cercle, tout va bien. Bon, ils utilisent une chaise en plateau, en table basse, mais en même temps, c'est logique. Voilà, bon, ils savent s'asseoir, là. Pas compte de notre... Ah ! Ah non, Sébastien, il a presque ses chaussures sur le lit, mais non, il a ses chaussures sur le cadre en bois du lit. Votre avis ? Je demande juste de me faire confiance. C'est pas dur. Mais on te fait confiance, Nicolas, tu sais très bien. Simplement, tu pourras peut-être nous en dire un peu plus, on est tes amis quand même. Bah oui, c'est vrai que ça simplifierait les choses, ils ont raison, Sébastien et José. Je suis désolé, je peux vraiment rien vous dire de plus. Allez. Le général décide et les petits soldats vont à la guerre, c'est ce que tu veux dire ? Mais pourquoi tu dis pas, Nicolas ? Bon, c'est pour le scénar, mais... Bon, je vous resserre un verre. Je veux bien. Je veux bien aussi, tu peux. Bon, José, arrête de faire cette tête-là, c'est à rien. Mais enfin, Nicolas, pourquoi tu dis rien ? C'est quoi ce secret entre Fava et toi ? Tu lui dois quelque chose ? Qu'est-ce que tu veux que je lui doive ? Ben, j'en sais rien, moi. De l'argent. Que je lui doive, Gbi. Pas, moi, c'est peut-être quelque chose entre Hélène et toi, puis tu fais chanter. Non, tu t'imagines n'importe quoi, et puis de toute façon, ça sert à rien d'en parler, c'est signé. J'ai niqué notre vie. Très tard, moi je suis fatigué. On va aller se coucher. Ah oui. Moi je suis attendu au chantier là. Ah d'accord. Parce que pour vous, le débat est clos. Bah écoute, José, Nicolas nous demande de lui faire confiance. On lui fait confiance, un point c'est tout. Sans aucune raison. Toi ? Mais pas moi. Bon, Nicolas. Est-ce que tu vas enfin nous dire la vérité ? Mais je vous ai dit la vérité. Merci, Nouchkana. Bon, alors tu vas répondre à une autre question. Comment se fait-il que Fava t'ait demandé de signer un contrat pour Hélène et toi et qu'il nous ait pas parlé à nous ? Je sais pas, t'as qu'à lui demander. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est pas la peine. Non, je vais te le dire, moi. Parce que vous avez quelque chose à vous reprocher tous les deux. Et ça, il le sait. C'est ça ? Il vous tient par les yucks. T'as trouvé ? Eh, bonne nuit, José, hein, dors bien. Attends, mais qu'est-ce qu'il y a là ? Il te fait chanter, c'est ça ? Mais dis-le nous, on va lui casser la tête ! Oh là 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 là. Mais non, c'est pas du tout ça. Bonne nuit, mon grand.
Non, mais hey. Allez, arrête. Maintenant, tu vas te coucher, on en parlera demain, d'accord? Ouais, c'est ça, ouais. Conduisez-vous comme des moutons. Et s'il y a un problème, il ne faudra pas vous plaindre. Bah, il y a un problème déjà. Bon, écoute-moi bien, toi, parce que j'ai pas envie de me répéter. Alors, où tu me fais confiance? Vous avez vu, Rosie, elle a décoré l'étagère aussi derrière. Je reprends l'entière responsabilité, ou alors libre à toi de quitter le groupe. Mais c'est quoi cette ambiance de merde? Ça va pas ou quoi? Dis pas ça à José. Ici, imaginez, il le fait. José, non, José. Ok, puisque c'est comme ça. Ouais. T'as gagné, je te fais confiance. J'ai rien gagné du tout, tu fais ce que tu veux. Donc il l'a menacé, quoi. Bon, allez. On rentre. Ouais. Attends, je fais un reste. Salut. Mets là sur ton épaule, peut-être. Salut. Bon, c'est pas vraiment un pardon express. Mais bon, ça donne quand même envie de cocher pardon express, quoi, parce qu'en deux secondes, il a dit « Bon, ok, d'accord. » Allez, on va se faire un petit pardon express. Vous avez vu que je suis sympa. T'as vu Nico joue dans une nouvelle série de M6, le Golden Bachelor? Bah non, c'est le Golden Bachelor, le Golden Bachelor. C'est que des ouzes, c'est un nouveau Bachelor, mais qui est yeuve. Mais c'est vrai que ça pourrait être Nico, hein, parce qu'il est vieux, il est beau gosse, Nico vieux. Les gens disent « Ah bon, il existe toujours ?» Bah bien sûr qu'il existe toujours, regardez, il est là. Il est là, à gauche, dans le garage, 30 ans plus tard. Mais oui, mais quoi? Mais oui, regardez. Allez, montrez-le. Comment ça, il y a Christian? Comment ça, il y a Lali? Mais oui. Eh, Golden Bachelor ou pas? Oui, je pense, ouais. Je pense qu'on est sur un Golden Bachelor de high quality. Tout à fait. Là, il y a forcément des gens qui disent « Attends, qu'est-ce que tu viens de nous montrer, là? Votre crâne a pété, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» Rentrez bien. Sla, aucun sens. Je suis Lali. Là, elle lui donne des raisons de la détester quand même. J'ai perdu mon livre de code. Qu'est-ce que tu cherches encore, toi? Mon t-shirt jaune. Ah non. Mon t-shirt jaune? Écoute, Lali, on te l'a rangé hier soir dans ton placard. Mais pourquoi est-ce que vous l'avez rangé hier soir dans mon placard, puisque vous saviez très bien que j'allais le mettre aujourd'hui? Bah parce qu'on a rangé un peu, tiens, il y avait des affaires à toi partout. Et puis moi, je perds mon temps. Voilà. Non mais écoute, Lali, si on faisait toutes comme toi à laisser nos affaires traîner un peu partout, t'imagines un peu? Mais ça n'a rien à voir. Elle la déteste pas encore assez, alors que là, elle a plus de raisons que d'habitude. Alors, vous ne faites rien de la journée. Vous avez tout le temps de mettre tout en ordre. Moi, je suis débordée en ce moment. J'ai mes cours, mon stage de conduite. La chanson que je dois écrire. Pas compte, hein. Bon, écoute, elle oublie encore la chanson, hein. C'est la merde. Elle est censée écrire les paroles du tube qu'ils doivent composer pour Thomas Favre. Un peu là. Eh, vous n'auriez pas vu ma montre? Si. Bah où est-elle? À ton poignet. Je sais même plus ce que je fais. Mais ça, on est ravis que tu t'en aperçoives, hein. Bon. C'est bon, j'ai tout, j'y vais, à tout oh, à l'heure. Oh, oublie pas ta tête, hein, en cours de chemin. Mais je sais ce que j'ai oublié, mon code de la route. Ah. Bon, Lali, on sait pas où tu l'as mis, mais t'es sûre que tu l'avais hier. Intervention. Mais oui, Hélène, enfin, je suis pas le genre de personne qui oublie ses affaires n'importe où. Ah, bah oui, c'est vrai, ça. Bon, alors, où tu l'as mis? Bah, je me le demande bien, tiens. Sinon, je serais pas en train de le chercher, alors que je suis complètement en retard. Quelqu'un est en retard. Ah, ça commence bien cet épisode. Quelqu'un est en retard. C'est fou ce que tu peux faire comme exercice le matin. Ça te fatigue pas, toi? Bon, au lieu de vous moquer de moi, vous devriez m'aider à chercher. Mais c'est ce qu'on fait, Lali, c'est ce qu'on fait. Oh là, j'ai oublié Sébastien. Bon, c'est pas grave. Quand il me verra pas, il se dira que j'avais quelque chose à faire. Bon, Lali, tu penses à Sébastien un petit peu de temps en temps en ce moment? Ben oui, pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu le négliges tout pile quand il est extrêmement tourmenté mais que personne ne s'en rend compte sauf le spectateur. Je sais pas, je trouve que tu penses pas beaucoup à lui, que tu le laisses tomber un peu. Alors qu'il est en train de bander sur Linda. Il a ses copains, la musique. Tiens, c'est vrai ce qu'il m'a dit hier? Nicolas et toi, vous avez signé pour 4 ans avec Thomas Fava? Ben oui. Vous êtes complètement débile, ça va pas, hein? Oui. C'est vrai, c'est pire que le mariage maintenant. Vous êtes pieds et poings liés à ce véritable escroc. Bon, Lali, on en reparlera une autre fois. Elle dit les choses. Écoute, Lali, tu vois pas que ça gêne Hélène d'en parler? Ou alors ton bouquin? Ouais. Ah mais si, je sais où je l'ai mis. Je l'ai laissé dans la voiture pour pas l'oublier dans la chambre. Bon bah c'est bon. Quelle voiture? J'y vais. Quelle voiture? Quelle voiture? Salut. Bon, sois prudente quand même. Salut, ouais. Bon, bah, on a vu qu'à tout re-ranger. Allez au travail. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Linda?
Salut. Oh, Rosos. Ah bah dis donc, elle aura été mouvementée la matinée. Salut Rosy. Je suis Rosos. T'as un problème? Ouais. Je suis venue me réfugier chez vous. Mais pourquoi te réfugier? Parce que j'allais faire une bêtise. Quelle bêtise? J'ai failli craquer, les filles. Mon lieu me manque, c'est grave, quoi. J'étais à deux doigts d'aller retrouver au garage. Voilà ce qu'il y a. Là, Rosy, là, t'es incorrigible. Hein. Bon, mais c'est pour ça que je viens vous voir. Alors, je sais pas, retenez-moi, séquestrez-moi, attachez-moi au lit, mais faites quelque chose pour que j'aille pas le retrouver, voilà. Bon, d'accord, on va t'aider. Alors, déjà, essaie de penser à autre chose. À quoi vous voulez que je pense? Est-ce qu'on n'appellerait pas ça un conseil de merde? Comment je pourrais faire, s'il vous plaît? Alors, j'ai une idée. Pense à autre chose. Hélène, conseil de merde, let's go. On a... Eh, c'est pas mal, là. 4 cases cochées en 7 minutes, c'est pas mal. Par mon yo-yo. Bon, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas t'asseoir au pied du lit et on va t'attacher. Ouais, de toute façon, c'est la seule solution. Alors, allez-y, attachez-moi. Ça va partir en BDSM. BDSM. On répète? Je pense que ça fait une demi-heure qu'on traîne, là. Ouais. Eh, hey, moi, je suis prêt. Non, mais attends, mais t'es toujours prêt, toi? Alors, du coup, maintenant, Christophe, il met plus des Marcel éclatés parce qu'il commence à cailler, mais du coup, il met des gilets sans manches éclatés. Je suis à 5h du matin, tu te lèves vite, mais comment tu fais? Parce que moi, je peux... Vous rappelez le flow qu'il avait avant, comment il était stylé, quoi? Allez, José, sois pas agressif. Laisse. Qu'est-ce qu'il dit, Josos? Ouais. Eh, moi, je suis prêt. Non, mais attends, mais t'es toujours prêt, toi? Tu te couches à 5h du matin, tu te lèves vite, mais comment tu fais? Parce que moi, je peux pas, hein? Pourquoi il l'embrouille sur ça? T'es en forme, hein? Alors que tu dors pas. Allez, José, sois pas agressif. Laisse. Écoute, c'est pas grave. Il est fatigué, mais y a rien de grave. Ouais, je suis même épuisé. Mais pourquoi? Ah, c'est le contrat toujours. Je me suis couché à 5h du matin, mais en plus je me suis fait coincer par Bénédicte. Elle a voulu qu'on tienne. Bah oui, parce que là, genre la scène dans la chambre des garçons là, c'était 5h du mat. C'est pour ça qu'il s'est couché tard. Hey, non mais attendez, hey, il a fallu une demi-heure pour que je lui explique où j'étais cette nuit. Mais j'espère qu'elle t'a cru au moins. Bah t'as qu'à faire une phrase plus claire. Ouais, il a fallu une demi-heure. Enfin tout ça pour arriver au résultat auquel on est arrivé hier soir. Hein. Ça valait vraiment le coup. Ah ouais. Bon. Quoi? Je comprends rien. Ok. Eh bien, je suis prêt. Sébastien, on t'adore. Allez. Bon. Allez, 1, 2... Ah, j'ai oublié de brancher ma basse. Salut tout le monde. J'espère que je ne vous dérange pas trop. Si. Oh non, on n'avait pas encore commencé. Si t'es venu ici pour continuer la petite scène d'hier soir, c'était pas la peine de déranger. Écoute-moi bien, José. Y a pas que toi qui existe dans ce garage. J'ai bien le droit de venir dire bonjour à mes amis, non? Oh. Mais du coup, elle est... Ouais, bon. Elle est jalouse pour rien, mais d'habitude, elle a des raisons d'être jalouse, ouais. Bon, écoutez les copains, expliquez-lui que j'étais avec vous toute la nuit, enfin... Bénédicte. Non, elle pousse pas une gueulante, c'est pas ça une gueulante, ça va pas ou quoi? Gueulante, c'est quand elle est avec les filles et qu'elle dit « J'en peux plus de José, je vous préviens, c'est la dernière fois !» C'est ça les gueulantes de Béné. Les gueulantes cultes de Béné. Tous dans la chambre de Nicolas et de Sébastien, juste pour discuter. Et du yo-yo peut-être? C'est vrai. Non, oui, c'est vrai, j'ai même eu un mal fou à les mettre dehors. Tu vois ma chérie, mais je t'ai pas menti. En plus, je t'ai appelé toute la soirée, c'était tout le temps occupé. Bah c'est tiens, normal, tiens. T'es pas là, moi je m'occupe, hein. J'ai téléphoné à toutes mes copines. Par exemple Hélène, par exemple Lali. On tombe amoureux d'elle. Par exemple. Bon, allez, bien que je te pardonne. Ah, pardon express. Bon, après, elle était énervée pour rien, mais on a déjà coché la case, malheureusement. Ah, voilà. C'est ça qu'on veut. Je vais vous laisser travailler. Oui. Bah, ok, tout à l'heure. Ok. Voilà. Bah ça va, Sébastien? Ouais, ça va, ouais. Tu peux fatiguer, mais ça va. Ok, je vous laisse travailler. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ma chérie. Oh. Bon, cette façon va s'y mettre, parce que j'ai rendez-vous avec Hélène à midi, alors... J'aimerais bien qu'on prenne la répétition aussi, j'ai un truc à faire pendant le déjeuner. Bon, bah... Un truc à faire quoi? Pendant lécher? Un truc à faire pendant lécher? J'aimerais bien qu'on prenne la répétition aussi, j'ai un truc à faire pendant le déjeuner. Bon, ben, on est prêt? On y va? On y va. Il a un truc à faire pendant lécher. Oula! Calmez-vous, c'est quoi ce départ de... En tout cas, là, on... ah, ça y est, là, ils l'ont, le tube. Pendant le déjeuner? Ah, ok. Pendant le déjeuner. Ah, ok. Ok, donc il doit aller voir Linda à la salle de sport et dire « Ça va? Je te trouve très belle. Jamais autre chose que ça, par contre. » Le départ de...
Et ça, c'est un tube, hein, parce que c'est la technique TikTok. Aujourd'hui, il faut que les morceaux, ça commence direct pour que ça puisse péter sur TikTok. Bah, ils l'ont bien compris, les gars. Thomas Fava, il a son tube. Attention, tube des gars. Alors, on y va. Ça rigole pas. Tiens, tiens. N'y aurait-il pas un yo-yo qui joue des congis? Yo-yo joue des bongos. Let's go. C'est coché. Ah oui! Ok, Sacré José. Voilà, c'est ça qu'on aime. Sacré José. Imaginez, on a tout le morceau. Ah non, merde! Ah, ça c'est les conseils d'Hélène aussi. Mange de la salade pour perdre du poids, pour les hommes. En fait, les conseils d'Hélène, c'est PZK, quoi. Et t'as vraiment eu du courage, toi, hein, pour aller vérifier si José était avec les garçons au garage. Bah oui, mais c'était la seule solution, non? Ouais, mais t'es quand même gonflé, hein, j'aurais pas osé. J'aurais pas José. Moi, je me demande vraiment comment vous faites pour les tenir comme ça, les garçons, parce que avec mon yo, je suis beau y faire, j'y arrive pas. Écoute, Rosie, on t'a déjà expliqué que si t'étais moins collante avec ton yo-yo, eh ben, elle viendrait plus vers toi. Bah oui, tu crois? Mais oui, essaye. Tu fais comme moi avec José. Tu vas voir. Ton yo-yo, je lui donne pas une semaine avant qu'il vienne se faire caresser comme un petit chat. Oh, arrête de me faire rêver, Bénédicte. J'ai même acheté un livre de prière pour réciter tous les soirs. Et ben, ça marche pas. Non, ça passe à soir, c'est pas assez. Quatre comme ça sur deux tables, ça passe très bien. Mon yo, il s'inquiète pas de savoir où je suis, avec qui je suis, rien. Mais écoute, Rosie, laisse-lui le temps au moins. Ouais, ça va durer combien de temps? Mais sois patiente. De toute façon, c'est les meilleurs moments de ta vie que t'es en train de vivre. Qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, Hélène a raison. Quand on rencontre un garçon et qu'on essaye de se faire aimer, c'est le meilleur moment. Ouais. Bah, peut-être pour vous, mais moi, je préfère le concret, tu vois. Mais non, toi aussi, t'es aussi romantique que nous. Seulement, le problème avec toi, c'est que tu veux tout tout de suite. Alors voilà, forcément, tu gâches pas mal de choses. Tu crois? Bah oui, ton yo-yo, il est aussi romantique que tous les garçons. Alors, sois un peu plus fine avec lui. Notez, hein. Fais le marché. Pour notez les filles, notez les femmes. Et puis, si tu sens que tu vas craquer comme ce matin, tu viens nous voir et là, on t'a fait... Pourquoi? T'as failli craquer ce matin? Une véritable horreur, ouais. Non, mais c'est comme si j'étais possédée. Mais c'est ça l'explication, en fait. Si ça se trouve, ce garçon, c'est le diable pour qu'il m'attire comme ça. Mais non, ça s'appelle l'amour, c'est tout. Ouais, bah c'est dur, hein. Tiens, voilà Lali. Salut. Salut Lali. Ah, on commence à pas savoir ça sur la table. Là, ça commence à me parler, là. Juste pour grignoter un petit morceau. C'est très bon, tout ça. Bon salade. Allez, ça coche, ça passe à soir à table. Let's go. Bam. Donc, qu'est-ce qui se passe là? En bas, on a une ligne qui peut être pas de sport à la salle de sport, ça nous pend au nez. Tu me diras non, parce que normalement, la salle de sport, elles y vont avant d'aller à la cafette, donc ça, c'est mauvais signe. Mais peut-être qu'on va avoir Linda. Mais Linda, là, elle en fait du sport à la salle de sport, vous l'avez vu dans l'épisode d'avant. Nicolas fait une grimace, ça, c'est souvent. Quelqu'un dit voir sa tête, ça, c'est souvent. Donc, celle-là, elle est pas mal de lignes. Et ici, on a une ligne qui se dessine pas mal aussi. Ah bah non, mais Béné. Pas l'impression qu'elle va pousser une gueulante sur José parce qu'elle elle a déjà pardonné dans cet épisode. Ils vont pas le faire deux fois dans l'épisode. Merde. Trois bisous en une minute, ça peut nous arriver. Ah! Les filles, vous pouvez pas savoir, c'est facile. Ils vont pas en cours, c'est trop tôt, c'est le midi là, faut attendre un peu. Stage intensif, on a l'impression d'apprendre à toute vitesse. Oui, bah Lali, attention aux excès. Hein. Pas trop de bobos alors jusqu'à maintenant? Non, ça va, j'ai fait deux ou trois sorties de piste. Juste DJ Bobo, juste. Deux fois partout. Et Lali? Il te reste combien de jours avant de passer ton permis de conduire? Deux ou trois. Non, six ou sept. Oh. Tu peux me rendre la salade, Lali? Six ou sept, mais enfin, ça dépend. Ça fait combien en francs? Le moniteur m'a dit que j'étais un cas difficile, mais donc il veut me faire encore rester deux ou trois jours de plus. Oh. Bah, c'est hyper drôle, je pense. Mais... Quelle belle amitié, n'empêche. Parce que... Je dois lui plaire et c'est pour ça qu'il veut que je reste. Ah, bah oui, bien sûr. Évident. Elle a enclumé sa salade. Hein. Fille, je suis désolée, mais je suis obligée de repartir. Ta salade, Rosie. Délicieuse. T'attends pas Sébastien? Bah non, pourquoi? Bah non, pour rien. Bon. Elle le délaisse tout pile quand il se pose des questions sur Linda. Putain, le timing est fou, quoi. Ciao. Merci, Rosie.
Salut. Ah, mon chat. Quel phénomène, cette fille. Sacré Lali, quoi. Oh, ah là, ça fait du sport. Alors là, Marianne Fossorier, elle a tout donné à la Real. On se dézoome. Donc c'est de la boxe ASMR un peu. Faut essayer de faire le moins de bruit possible en tapant. Il est pas mauvais, hein. C'est à la mode à l'époque. Mais non, mais... Qu'est-ce que c'est que cette blague? Non mais c'est drôle, c'est quoi, je veux dire, comment il peut te dire que ça passe? Le figurant, vous pensez qu'il s'est pas dit, mais je vais passer pour un con devant 5 millions de personnes. Ça passait devant 5 millions de personnes, il y avait 5 millions de personnes qui regardaient à l'époque. Hein. Mais ils lui ont dit quoi? On va mettre des bruitages? Qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est vrai que là, ça donne vraiment envie de cocher parce que c'est pas du sport. Allez, venez, c'est drôle, on coche là-dessus. C'est pas... Font pas de sport à la salle de sport. Mais c'est pas les persos. Mais c'est tentant quand même, là, putain. Bah, c'est un échauffement, quoi. C'est un échauffement, quoi. Non, mais attendez, c'est tellement drôle. On peut pas... On est obligé de marquer le coup en cochant cette case. On est obligé de marquer le coup en cochant cette case. Ah, putain, ils en font, eux. Mais bon, le figurant il a été tellement fort. Manu, est-ce que tu peux me rajouter quelques fois, s'il te plaît? Bien sûr. Combien de kilos tu veux? 5, ça devrait suffire. 5 francs. Et du coup, on est pas mal sur cette ligne, s'il a regardé. On est pas mal, hein. Ombre de perche. Ah, Marianne Fossorier, elle fait plus gaffe aux perches, hein. Et semelle de chaussures sur le lit ou canapé. Ça, depuis que là, j'ai rajouté canapé. Mais franchement, il y a énormément de chances qu'on fasse les deux. Putain, merde, j'aurais pas dû cocher cette case là d'en bas, je suis foutu. Voilà. Ouais, elle est encore dans le jeu de Mister Beast, ouais. Elle a toujours pas perdu. C'est ça qu'il a à faire pour le déjeuner? Se changer? Ah, il s'est changé en mode, ça c'est une tenue de sport. Mais c'est un polo, c'est pas une tenue de sport. C'est pratique que Linda soit toujours en train de jouer au jeu de Mister Beast. On sait où elle est, quoi. Parce que donc, pour les gens qui n'ont pas suivi, le jeu de Mister Beast, c'est tu dois rester dans un cercle. Et tant que tu restes dans le cercle, t'as pas perdu. Et du coup, elle joue au jeu, donc elle est tout le temps dans le cercle. Donc Sébastien sait où la trouver, c'est assez pratique. Salut. Ah, Sébastien, tu viens faire de la gym toi aussi? Non, je pars en vacances avec mes parents, j'ai 8 ans, j'ai la tenue appropriée. Salut Sébastien. Salut. Ouais, je viens faire quelques petits exercices, histoire de rester en forme. Mm-hmm. Pendant le déchiné. C'est pas assez courageux avant. Moi non plus. J'ai changé. Faut que j'y aille, hein. Je vais vous laisser. Marc-Olivier, faut que j'y aille. Mais pourquoi? On devait aller ensemble? Ah, il sent Manu. Il sent Manu. On sent dans son regard une certaine gravité. Regardez, même aujourd'hui, on sent Manu qui sait. Regardez, il le sent là encore aujourd'hui. Il voit le truc. Personne ne capte sauf Manu. Manu, c'est un visionnaire. Oui, t'inquiète pas. Il a la vista. Mais je préfère aller me changer chez moi. Oh mais non, reste ici. Là, c'est dur de faire les allers-retours. Moi, en revanche, je vous laisse. Je vais aller faire une séance de sauna. Maintenant? Et oui, parce qu'après... Elle abandonne le jeu de Mister Beast, là. Ça va trop tard. Tout à l'heure. Bah merde. Il est venu exprès. Il est venu... Elle doit vraiment pas avoir envie de s'en mettre avec lui, parce qu'elle le fuit et elle perd le jeu de Mister Beast, là. Elle est belle, tu trouves pas? Ah oui. Et moi, tu serais pas un peu amoureux d'elle, toi? Mais laissez-le tranquille, putain! Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Parce que je suis jaloux. Non, pour rien. Tu sais, de toute façon... C'est pas la 7e fois qu'il lui demande, non? J'ai aucune chance, hein. C'est un mannequin international qui n'a rien à foutre avec des étudiants éclatés comme nous. Un ami, c'est tout. Mais peut-être qu'elle attend que tu fasses le premier pas. Je ne crois pas, non. Elle me l'aurait fait sentir. Tu sais, avec les filles, parfois, il faut savoir lire entre les lignes, hein. Non. J'essaye de le faire. Consentement, frérot. Mais c'est pas mon nom que je vois écrit. Ah bon? Non. Je vois écrit Power Stack. Non, tu confonds ça, tu vois écrit sur la machine, ça. Non, je crois qu'en ce moment, elle pense à quelqu'un d'autre. Si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas. En tout cas, il a de la chance, le garçon auquel elle pense. Mais il est con, lui. Il a de la chance. Il est con, lui, hein. Oh, malheureuse. Elle a toujours ce petit air nostalgique, comme un regret. Ah ouais, il a un dauphin tatoué sur l'épaule, mais oui. Il y a un petit dauphos, là, c'est mignon, ça. Non. Linda a toujours cette air nostalgique. D'ailleurs, c'est ce qui la rend charmante et très belle.
C'est vrai qu'on a envie de la protéger quand on est avec elle. Vous avez conscience que ce qu'on voit derrière pas, c'est l'exercice E, hein, l'exercice E culte. Ouais. Mais c'est drôle, c'est que maintenant on le voit vraiment plus, quoi. C'était un running gag absurde qu'on avait, et maintenant ils l'ont foutu hyper haut et on le voit jamais plus en entier. C'est devenu vrai, notre running gag absurde. Oh, elle revient. Je suis sûre que vous êtes en train de dire du mal de moi. Gagné, comment est-ce que t'as deviné ? L'habitude. Regardez-vous encore un peu plus, hein, je pense. Tu as pris ton sonar ? Mais non, il y avait trop de monde. Je le prendrai demain. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Bah, comme tu disais, on disait beaucoup de mal de toi. Enfin, en tout cas, quand on dit du bien de toi, c'est juste que t'es belle. Donc après, c'est un peu, au final, c'est un peu l'équivalent. Ça ne serait pas une scène en extérieur, les amis ? Ça m'arrache toujours un peu le cul, hein, parce que pour moi, une scène en extérieur, c'est la gare, c'est la forêt. Mais bon, voilà, c'est un plateau en extérieur, donc on valide et on coche la case scène en extérieur. Je suis sympa, hein, je suis sympa. C'est pour Maria Yaya, tout ça. Coucou. Ah, c'est toi. Bah oui, c'est moi. Après, il y a d'autres personnes qui t'en passent dans le coup. Non, mais vu le retard que t'as, tu le mériterais. Bah oui, la répétition a un petit peu traîné. On était tous crevés. C'est ça, hein, faire la fête avec ses copains le soir. T'es épuisant. C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu fais dehors ? Bah rien, je préférais t'attendre là. Les filles t'ont laissé tomber ? Non, elles sont allées à la fac et puis Rosie, je sais pas, elle est partie faire un tour. C'est vrai qu'elle vous lâche plus maintenant. Ça va, elle est pas trop ennuyeuse ? Non, non, ça va, elle est adorable, elle est un petit peu perdue, c'est tout. Et raconte-moi plutôt comment ça s'est passé avec les garçons alors. Bah on a parlé de ce contrat toute la nuit. C'est José le plus agressif. Grimace un peu, ah ouais ? Elle a failli se fâcher. Attendez, il y a des gens qui disent grimace, grimace, grimace. Ah oui, il fait froid là, ça se voit. Ouais, ça se voit un peu plus. Et bien, c'est aussi que ça qu'on voit que c'est un décor extérieur pour le coup. Mais ça se voit surtout au fait que Christophe arrête de mettre juste des. Arrête de mettre juste des. Merde. Des polos éclatés. Attendez. Il y a une grimace. Retard, c'est déjà coché, les loulous. Ils vont pas en cours. On va quand même pouvoir commencer à cocher. Ils vont pas en cours, effectivement. Il y a une grimace de Nico. Bah, ça va être une mini grimace, j'y crois pas, mais je remets. Ah, c'est une grimace de froid. Qu'est-ce qui se raconte là ? Et quelqu'un a dit perche aussi ou j'ai rêvé ? Bon, attendez, on va inspecter ça. Sacré Nicolas. Coucou. Ah, c'est toi. C'est marrant de les voir habillés normalement. Personne qui t'en passe dans le coup ? Mais vu le retard que t'as, tu le mériterais. Bah oui, là. Ah oui, au-dessus d'eux, regardez, il y a une ombre de perche. Il y a d'autres personnes qui t'en passent dans le coup. Non, mais vu le... Hop. C'est une perche, ça. Ça remonte, ouais. Putain, regardez. On n'est plus qu'à une case. Mais attendez, mais il est tard. Bah oui, la répétition a un petit peu traîné. On était tous crevés. C'est ça, hein, de faire la fête avec ses copains le soir. T'es épuisant. Mais ils ont pas fait la fête, ils ont parlé du fait qu'ils ont signé un contrat et que c'est la fin de leur carrière. Qu'est-ce que tu fais dehors ? Bah rien, je crois. Les filles sont à la fac ? Si, elles vont en cours. Donc elles vont en cours. Ah, j'ai pas suivi. Putain, on décoche, elles vont pas en cours. Ah bah, je l'ai pas coché encore. Je l'ai pas coché encore. Et il faut surveiller aussi le test de Bechdel, hein. Parce que là, ce qui peut me sauver, parce que j'ai des trucs à faire, c'est qu'effectivement, il y a une scène où les meufs ne parlent pas de gars. Mais malheureusement, je crois qu'en ce moment, comme elles sont toutes en train d'expliquer à Rosie comment il faut qu'elle fasse pour manipuler le cœur de Yo-Yo, il y a peu de chances que le test de Bechdel soit réussi. Test de Bechdel, pour les gens qui nous rejoignent, c'est quand dans une fiction, des femmes sont entre elles, sans garçons, qu'elles sont nommées et qu'elles ne parlent pas de mecs. Ce qui est très rare dans toutes les fictions mondiales, c'est pas que Hélène et les garçons, malheureusement. J'aurais t'attendre là. Les filles t'ont laissé tomber ? Non, elles sont allées à la fac et puis Rosie, je sais pas, elle est partie faire un tour. La fac ? Incroyable. Ça va, elle est pas trop ennuyeuse ? Non, non, ça va, elle est adorable. On la déteste, mais elle est adorable. Elle raconte... Elle a dit quoi ? Elle est adorable quoi ? Ennuyeuse ? Non, non, ça va, elle est adorable, elle est un petit peu perdue, c'est tout. Et raconte-moi plutôt comment ça s'est passé avec les garçons alors. Bah on a parlé de ce contrat toute la nuit. Ils comprennent pas. C'est José le plus agressif. Elle a failli se fâcher. Bah c'est normal. Bah oui, enfin faut se mettre à leur place aussi. Voilà. Je leur balance ça en vrac, ça leur donnait aucune explication. Bah forcément ils réagissent mal. Ah, Askip il leur a fait une grimace quand il l'a embrassé dans le cou. J'avais oublié pardon qu'on regardait pour ça. Coucou. Ah c'est toi. Bah oui c'est moi, après il y a d'autres personnes qui t'embrassent dans le cou. Non mais... Non c'est pas une grimace. Mériterais. Je vous rappelle hein, pour la grimace c'est ça par exemple hein. On est quand même très loin de ça. Bah oui. Il faut les comprendre aussi. Bah oui, enfin faut se mettre à leur place aussi. Je leur balance ça en vrac, ça leur donnait aucune explication. Bah, forcément, ils réagissent mal. Ben, tu crois pas qu'on devrait leur dire ? C'est pas le moment, là. Non, non.
Bah oui, mais enfin... C'est mais pourquoi c'est pas le moment? Bon, c'est méta, c'est pour le scénar. Oui, en leur disant rien... Mais quand, bah, en même temps, quand ils vont leur dire, ouais, on pouvait pas vous le dire, c'est pour le scénar, ils vont faire, ah bah oui, ok. Pour les trahir, moi. Bah oui, mais enfin, c'est Thomas hein, qui est séropositif. Alors c'est à lui de choisir quand, ni comment, et à qui, il le dit. C'est pas à moi, ni à toi. Ouais, t'as raison. D'accord. Est-ce qu'il y a un problème? Bah, je pensais à nos copains. Oui, on le dit pas à la place des gens, il a raison. Mais bon, là, il peut leur dire, ouais, mais je peux pas leur faire signer un contrat sans, sans leur expliquer pourquoi. Mais oui, après, c'est sûr que c'est pas aux gens de d'outer ce genre de truc, quoi. Mais c'est normal qu'ils pètent un câble de l'autre côté. Ils signent un contrat de 4 ans avec le grand méchant de la série, ça va pas ou quoi? Peut-être en danger. Sans demander de preuves de la séropositivité du gars. Quoi, à cause de Nathalie? Je suis pas le seul à avoir fait des bêtises. Bah oui, imagine que José... Enfin bon, ce serait bien de leur dire de faire les tests, non? Ce serait plus prudent. Ouais, non, c'est vrai, c'est pas parce que les notes sont négatives qu'il faut oublier les copains, c'est sûr. Bah tu leur en parleras? Ouais. Moi, je sais pas quand ni comment, mais promis, j'en parlerai. Ouais. Attends, de quoi il parle, là? Je comprends pas. José... Quoi, à cause de Nathalie? Ah, mais Nathalie, elle a pas couché avec toute la Terre non plus. Mais de toute façon, Nathalie, elle est négative. Bah, je pensais à nos copains, ils sont peut-être... Donc, pour les gens qui nous rejoignent, il y a un grand méchant dans la série, c'est un producteur de musique qui les a déjà enfloués totalement par le passé. Et là, ils ont accepté de signer un contrat de 4 ans avec lui, d'exclusivité, juste parce qu'il est séropo et que du coup, ils ont eu pitié. Ça n'a aucun sens. Et ils le disent pas aux autres. Et en l'occurrence, ce producteur de musique, il a couché avec Nathalie, la méchante de la série. Nathalie, elle a couché avec Nicolas une fois. Mais elle est négative, Nathalie, donc techniquement, c'est bon, quoi. Danger. Il y a Wizbot qui vous résume l'histoire, là, dans le chat. Merci, 18. À cause de Nathalie? Je suis pas le seul à avoir fait des bêtises. Bah oui, imagine que José... Enfin bon, ce serait bien de leur dire de faire les tests, non? Par contre, Wizbot, il dit Olivier, vieux pote de Nico. Je crois pas, hein. Olivier, c'est vieux pote de Christophe. C'est un ami de... C'est le meilleur ami de Christophe, historiquement. T'es plus prudent. Ouais, non, c'est vrai, c'est pas parce que les notes sont négatives qu'il faut oublier les copains, c'est sûr. Bah, tu leur en parleras? Ouais. Moi, je sais pas quand ni comment, mais promis, j'en parlerai. Ouais. Je t'aime, tu sais. Donc là, elle leur dit, en gros, faut que tout le monde se teste. Bon, ce qui est bien, hein, de dire testez-vous, tout ça. Mais ok. Oh! C'est culte! Première fois qu'on voit la voiture de Linda qui marche. Normalement, elle est toujours en panne. Coucou les amoureux! Salut! Qu'est-ce que vous faites? On se promène! Toi aussi, dis donc, tu veux partir au garage? Écoute, Linda me dépose au garage, donc tu veux venir avec nous? La cartographie, je ne comprends pas l'espace. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Bah arrête, t'en meurs d'envie, de toute façon, moi j'ai cours dans 10 minutes. Ah putain, ils ont jamais autant été en cours. Alors. Ça délire, hein? Oh. Bon, et on répète? Bah il va mieux le Seb. Forme là, hein. Ah bah il s'entend. Ça fait 2 jours que tu hibernes, hein. Tu vas rouler plus souvent cabriolet. Ça te réussit? Hein? En fait Nicolas, je voulais m'excuser pour hier soir et ce matin. Je me suis emporté. Allez, moi aussi, j'étais un petit peu loin. Évidemment, tu sais que j'ai toujours confiance en toi. Eh mais attendez, là, s'il y a des chaussures sur le... Parce que là, vous êtes tous sur chaussures, sur la banquette de la voiture, tout ça. Ce n'est pas ça, la case de bingo. Mais là, il n'y a pas des chaussures sur le... Nico, il est... Oh, putain! Il nous provoque! Il met les semelles sur l'ampli. Là, il suffit qu'il lève sa jambe et qu'il la mette sur le canapé. Et on a une putain de ligne de bingo, hein. En fait, Nicolas, mais ça ne va pas être le cas. Je voulais m'excuser pour hier soir et ce matin. Semelle sur enceinte. Je me suis emporté. C'était juste d'être un peu énervé de pas du tout comprendre pourquoi tu baises la carrière de notre groupe, mais excuse-moi, c'était un peu excessif. Un petit peu loin. Évidemment, tu sais que j'ai toujours confiance en toi. Merci. C'est beau. Bon, puisque tout le monde a l'air de bonne humeur. Nicolas va-t-il lever un pied? Peut-être en profiter pour répéter. Mais ouais, allez. Ouais, bah t'as raison. Oh là là, regardez-moi ce travail là. J'arriverai jamais à m'y habituer. Il s'est levé du canapé. Ils sont très beaux tes tambours. Il reste un peu de temps, il reste 3 minutes quoi. Ah, je te jure que la prochaine fois, je lui donne ta guitare, elles vont faire une œuvre d'art toi aussi, tu vas voir. Ah oui, qu'est-ce qui nous manque sinon? Toi tu dis embrassez-vous et c'est bon, bah non. Mais embrassez-vous et c'est bon.
On a une case à cocher. De quoi ? Ça compte en vrai, truc, machin ? Bah non. Ok, non, bah non. Hein. Donc là, on a juste ça qui nous pend au nez, là. Donc il faut une semelle de chaussure sur le canapé, quoi. Ok. Et c'est tout, hein. Grimace de Nico, on l'a pas. Quelqu'un d'y voir sa tête, ça semble un peu technique. Ok, bon bah surveillons les chaussures. Ah, c'est qui ça ? C'est Rosie, ça. Oh, mademoiselle Rosie, salut. Elle va se mettre debout sur le canapé. Qu'est-ce qui se passe, Rosie ? J'ai craqué. Ah ouais ? Et t'as craqué quoi ? Mais le dis pas ! J'ai craqué. Je m'étais promis de pas venir voir mon yo-yo. Bon, et voilà, il manque trop, alors j'ai pas pu résister, je suis venue. Eh ben, entre ! Qu'est-ce que t'attends pour me faire un bisou ? C'est vrai, je peux ? Oui, mais doucement, Rosie. Ça a marché ! Ah, on peut cocher Rosie attrape yo-yo. Et encore une fois, je dois l'expliciter, on me dit veste sur l'épaule. Non, pas veste sur l'épaule. Pourquoi ? Car regardez ce qu'il est écrit en petit, veste sur l'épaule et non sur la moitié du corps. Ça ne compte pas. Elle ne sait pas mettre sa veste sur l'épaule, la Rosie. Elle nous énerve. Mais attends, mais t'es en train de la prendre dans tes bras, là ? Bah oui, alors j'ai le droit, non ? Et tu serais pas en train de tomber amoureux, toi ? Amoureux ? Tu m'as vu amoureux, moi, mais jamais. Moi, yo, arrête d'être négatif. Non, mais c'est vrai, vous allez vachement bien ensemble. Nicolas, tu te rappelles ce que je t'ai dit pour ta guitare ? Fais beau ce matin. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit sur sa guitare ? Qu'il allait lui mettre dans le huc ? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire ? Juste avant que t'arrives, on allait répéter. Ah bon ? Ben, je peux rester alors. Regardez comment ça flirte avec le canapé du côté de Sébastien derrière. On n'est pas loin de cette ligne de bingo, mais non, mais non. Mais là, on n'est vraiment pas loin de cette... Il joue avec nous, là. Allez, quoi, petit oui. Bon, d'accord, mais tu restes sage. Hein. Promis, j'aurais craché. Sébastien va se lever, comment il va se lever ? Non. Je dis crache pas, c'est vraiment dégoûtant, je te promets. Ah, ça y est, Sébastien, il va mieux. Hein. Il valait juste qu'il passe du temps un peu avec Linda. Sébastien, ça peut te faire plaisir. Il retourne sur le canapé, Sébastien, il retourne sur le canapé. Bon, oui. Et un gros baiser avant de commencer à répéter. Oh, ça lui fait tellement plaisir. Mais arrête de faire genre, c'est de la charité, c'est bon, tu la kiffes, c'est réglé. Oh là là, regarde. Grosse pelasse. Dis-moi, mon yo-yo. Peut-être qu'on va faire l'amour tous les deux. Ça, c'est direct, hein. C'est direct. Ouais, vas-y, carrément. On n'en est pas encore là. Ouais, bon. Mais imagine qu'on fasse l'amour tous les deux. Là, j'imagine très bien. Est-ce que t'as fait ton test pour l'histoire du sida ? Bon. L'histoire, la fameuse histoire du sida, tu sais ? Oui, parce que c'est vrai qu'au-delà de même s'ils n'ont pas couché avec Nathalie et tout, c'est juste bien de tous vous tester, les amis. Non, mais enfin, Rosie, ça va pas, non ? Eh ben quoi, moi je sais pas avec qui t'as traîné avant que je te rencontre. Non, mais où tu veux pas arrêter un peu avec ça ? Mais si ! Oh, mais il est relou, hein. Non, mais c'est vrai, elle a pas tort. Ah bah, on sait jamais. Bon. Mais tu crois que ça servira à quelque chose ? Non, mais déjà, vous allez vous protéger quand vous allez coucher ensemble, mais fais un test, frérot. Bah, t'en as rien à craindre, on met tous des préservatifs, alors ouais ? Eh ben même ! Alors, il faut le faire, c'est à la mode, et puis il n'arrête pas d'en parler partout, il faut le faire, voilà. C'est la mode. C'est le buzz du test. Ok, bah j'irai le faire, mon test, j'irai le faire. C'est bien, mon yo. Ça prouve que tu m'aimes un petit peu. Donc là, clairement, ça y est, il passe en mode, on va ken, quoi. Ça, par contre, ça sent un peu la fin d'épisode, ça, hein. Putain, mettez un large et mettez Sébastien avec des chaussures sur le canapé, s'il vous plaît. Ok, on peut le faire aussi, hein. C'est une belle preuve d'amour pour nos fiancés. C'est pas une preuve d'amour, c'est juste la base. Ah, Nico, bah oui, parce qu'ils parlent tous de la séropositivité, là. Mais Nico, il sait, il y a un secret. Il y a un secret. Allez, peut-être que dans le fondu, là, on peut avoir un large sur Seb qui a les pieds sur le canapé. Non. 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 Un peu grimace. Ouais, mais quand bien même il ferait une grimace, ça nous fait pas une ligne. Bah comme d'hab cette semaine, hein, c'était vraiment pas loin. C'était vraiment pas loin, quoi. Mais merci encore beaucoup à Maria Yaya. Et j'ai vu quelqu'un aussi qui est venu qui a dit merci pour le sub offert. Les gens qui là se disent mais pourquoi je suis sub ? C'est grâce à Maria Yaya. Merci encore Maria Yaya. Ou c'est peut-être grâce aussi à... DJ Dice qui a offert des subs ou à l'anonymous gifter. Je ferai l'amour.
Il va être l'heure de Mario Kart, hein, Mario Kart. Venez jouer avec nous. Il y a peut-être des nouveaux là qui sont là. Vous pouvez venir jouer. C'est un tournoi ouvert à la communauté, aux viewers. Il vous faut Mario Kart, il vous faut la Switch, il vous faut l'abonnement au online. Il y a un petit code et vous allez pouvoir nous rejoindre. Au cas où il y aura des nouveaux, j'invite les habitués à être prêts à nous rejoindre, mais à laisser leur place une petite seconde quand même, parce que ce serait cool d'essayer de faire un petit peu tourner. Merci The Doctor 71. À part Sid, bien évidemment, qui doit être forcément là, c'est mon besta, je le veux. Sid, t'es là ? Sid, j'envoie un petit message sur WhatsApp à Sid, et je lance la Switch. Va aussi y avoir une prédit. S'il y a des gens qui s'enfuient, alors restez, c'est super Mario Kart, il y a une prédit, on délire et tout, mais au cas où des gens fileraient, je vous fais des gros bisous. Ce soir, je fais un live Red Dead Redemption, on fait des bêtises à cheval, et puis sinon, bah, la matinale, c'est tous les mardis, mercredis, 587, il y a eu un petit raid ou quoi ? La matinale, c'est tous les mardis, tous les mercredis et tous les jeudis matins, et on se régale. Mais pourquoi d'un coup, il y a des gens là, en plus ? J'ai raté un petit raid. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont popé. Super les gens, vous êtes super. On est beaucoup le matin en ce moment. Bah ouais, le matin on se régale. Le matin on se régale. Je vais lancer les festivités Mario Kart. Il y a une prédit qui va être Aurel va-t-il être sur le podium ? Aurel va-t-il être sur le podium ? C'est la question que tout le monde se pose. Je vous spoil, la réponse est oui. La réponse est oui, bien évidemment. N'hésitez pas également à sub si vous voulez que je chante votre blaze sur les airs de Mario Kart. Ça, c'est ma passion. Chanter les blazes. Eh, j'ai refait mon mi au fait, je sais pas si vous avez vu. Je l'ai adapté. Je lui ai mis le petit chapeau de stream. Est-ce que Aurel... Ah voilà, là je comprends mieux les chiffres. Est-ce que Aurel va être sur le podium ? C'est la question que tout le monde se pose. Pam 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 pam. Et toujours pas de bisous entre Linda et Sébastien. Ça a flirté, mais pas de bisous. Voici le code ! Voici le code ! À Caro AV qui dit « J'ai tout misé sur toi, si jamais tu perds, je démissionne de mon rang de représentant des gens qui s'en allaient mais restent pour le MK maintenant. » Ok, bah je vais tout donner. Je vais tout donner. En tout cas, ça fait plaisir de voir que tu tiens ton rôle. Tu es toujours là, en tant que bon représentant des gens qui avant partaient et qui maintenant restent. Bon. Ça n'a pas créé un phénomène qui fait que les gens restent tous, mais ça fait plaisir que de savoir que certains restent, dont toi. Sid ! Sid ! Ah, Sid, il ne me répond pas. Ah si. Mais il ne m'a pas répondu oui, il m'a répondu PJU. Je pense que c'est une faute de clavier. PJU. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Oula, ça c'est le nouveau gars trop chaud ça, non ? Et 12. Bon, allez. Let's go. Les habitués, vous êtes venus vite hein, quand même. Hein. Il lit pas le chat. De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Vanessa, encore ? Je suis le streamer qui lit le plus le chat, ça suffit maintenant. Aurel, il est pas mignon, il a oublié de citer des gens qui ont sub. Qui a sub ? The Doctor, j'ai cité. Qui a sub ? Bah, je vois personne. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes, Vanessa ? Allez, let's go ! On est 12, je peux lancer les festivités, on se met la bonne chaîne, on fait circuit Yoshi. En ce moment, il y a la nouvelle course culte, évidemment, que je vous invite à choisir. Par contre, sinon, on choisit que les anciennes, s'il vous plaît. Les nouvelles, on les déteste toutes, sauf la nouvelle course culte, qui se trouve dans la coupe Navet. Et le concept de cette matinale, de ce tournoi matinal, c'est qu'on finit toujours par circuit Yoshi. Circuit Yoshi, c'est celle-ci. Ok. Et la nouvelle course culte, c'est celle-là. Circuit Mario 3. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors. Nouchkana, peut-être que je t'ai pas remercié. Nouchkana qui a pris un prime il y a 39 minutes. Edralzar, j'ai remercié. Ah, c'est toi ? Bah, c'est peut-être tout simplement toi, Vanessa, que j'ai pas remercié. Je vois une Vanessa là. Merci, Vanessa. Ah non, t'as offert un abonnement. Bah, merci pour l'abonnement offert. Ah, ça me dit rien aussi ça. Le cannabis CBD. Merci à toi. Orlug, merci à toi. Let's go.
Ok, ah oui, donc c'était bien de toi qu'on parlait en fait. Quand tu dis il a oublié des gens, tu parlais de toi en fait, tout simplement. Allez, bonne course à tous. Putain, la nouvelle course culte, quel plaisir. J'ai raté mon départ car j'ai remis ma cam. Putain, ça y est, c'est tout foiré. Carou avait, et je rate les options, bah c'est fini. C'est fini. Carou avait, je suis désolé, mais là j'ai raté mon départ. C'est fini. Je crois que c'est fini. Carou avait des ésos, les... Mais c'est fini. Oula. Carou avait, Carou avait, Carou avait, Carou avait. Merci à Maria Yaya encore une fois, je vais chanter Maria Yaya du coup je pense. Ma Maria Yaya, Maria Yaya. Merde. Ma a ira. Oula. Putain. Allez, on se réveille Aurèle. Yannadine. On se réveille, oh. On se réveille, Aurèle. On se réveille, oh. On se réveille, elle. On se réveille, oh. On se réveille, Aurèle. On se réveille, Aurèle. On se réveille, Aurèle. Mais Nadine, ça va pas ou quoi? Nadine qui m'a boomerangé. Nanana, nanana, Nadine qui m'a boomerangé. Putain! Nadine qui m'a boomerangé. Bon, va falloir faire un bon dernier tour. Nadine. Allez, bon dernier tour. Pas mal. Pas mal. Pas mal. J'aurais bien aimé qu'il y ait un mec qui pète un éclair pendant que j'étais en étoile, mais je m'en sors plutôt pas mal. Ah, I18, mais tu saoules I18 là, ça y est, t'es reparti en mode suprématie totale. Le suprémaciste, t'es un suprémaciste en fait, c'est ça qu'on est en train de dire I18 par contre. Hein. Attention, hein. Attention, sois un peu moins premier, sinon tu es validé en tant que suprémaciste. La nouvelle course culte sera encore choisie par Aurèle car il l'adore. 1-1-1-1-1-1-1-1. C'était pour toi Carou avec surmonté. Hein. Combien de gens ont cru en moi? On a validé l'après-dit d'avant. Alors, l'après-dit d'avant, l'après-dit actuel, Aurèle sur le podium. 50-50, on est sur un exec. On est sur un exec, 48-52. Ok, c'est cool, je vois pas de nouvelles courses. Merci de jouer le jeu. La course de Adurna a été choisie. 1-1-1-1-1-1. Tili 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 tili. Allez, let's go. N'hésitez pas à sub hein, si vous voulez que je vous chante votre blaze. Fait bizarre là, j'ai pas de blaze à chanter. Cela fait. Cela fait bizarre. Ah! Cela fait bizarre. Bah, on sait bien tous hitboxer là. Comme des cons. Ça fait bien, on sait bien hitboxer. Qui a voulu me tuer là? Quelqu'un a voulu m'assassiner. Quelqu'un a voulu m'assassiner. Quelqu'un a voulu m'assassiner. Voulu m'assassiner. Super. M'assassiner. Quelqu'un a voulu. Ah, un blaze à chanter. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Un blaze à chanter. Oula. Ça fait plaisir, il y a un blaze à chanter. Ça fait plaisir, il y a un blaze à chanter. Oh non! T'es con! Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, il y a un blaze à chanter. Putain, qui fait ça? Qui tire sur le streamer comme ça? Ça fait plaisir, il y a un blaze à chanter.
Ça fait plaisir, il y a un blaze à chanter. Ça fait plaisir, il y a un blaze à chanter. Un blaze à... Ça fait plaisir, il y a un blaze à chanter. Ça fait plaisir d'avoir un blaze à chanter. Non ! Non ! Je me suis fait voler ma protec, c'est pas possible ça, putain ! I-18, oncle Cid, truc machin, putain ! Ok, c'est encore faisable, mais vous faites chier ! Putain, j'étais bien. J'avais trop bien pris le... J'avais jamais aussi bien coupé le virage de fin que Deschamps. Oh putain, Didier Deschamps, les frères. Didier et Deschamps. Et j'avais une protec derrière et on me l'a volé avec un fantôme. Un fantôme. Alors du coup, j'ai un blaze à chanter et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Jean-Paul Flag. On va noter ton blaze. Jean-Paul Flag. C'est quoi? Oui, la nouvelle course culte. Jean-Paul Flag. Quel plaisir. Je suis tellement fan du design, de la musique et tout. Ah, Super NES Forever. Jean-Paul E Flag. Mais putain ! Jean-Paul E Flag. Mais putain ! Vous êtes insupin. Jean-Paul E Flag. Jean-Paul E Flag. Ça va, Sid, oui ? T'emmerdes pas là ? Bah c'est pas mal ça. Jean-Paul E Flag. Bah c'est quoi, c'est. Je suis pas mal armé hein. Jean-Paul E Flag. Enfoiré avec sa bombe, putain. T'as niqué... Mais j'ai un champ. Ils sont sérieux. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un champ de merde. Jean-Paul E Flag. Intéressant, Fatih, effectivement, j'avais pas capté qu'il m'était arrivé ça à la fin de la course d'avant. Circuit Yoshi pour tout le monde. Sinon, j'arrête Twitch. Bah, Karou AV, je peux plus, hein. Là, j'ai fini 12e, donc c'est absolument impossible que je finisse sur le pod. Putain. Sa mère. Merci en tout cas Jean-Paul Le Flag pour le sub, même si tu m'as pas porté beaucoup de chance. Tu m'as pas porté beaucoup de chance. Mais c'était un plaisir en tout cas de te chanter. Ah, c'est la guerre entre Alexandre et Idis devant là, c'est ça ? Putain.
Jean-Paul Euflag. Jean-Paul Euflag. Jean-Paul E. Jean-Paul Euflag. Jean-Paul Euflag. Jean-Paul Euflag. Jean-Paul Euflag. Jean-Paul Euflag. Jean-Paul Euflag. Non ! Jean-Paul Euflag. Jean-Paul Euflag. Du coup, je te rechante, Jean-Paul. Jean-Paul Euflag. Jean-Paul Euflag. Bon, je vais pas prendre de risque. Jean-Paul Euflag. 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 Il s'agit de Jean-Paul. Jean-Paul Euflag. Il s'agit de Jean-Paul Euflag. Jean-Paul Euflag. Jean-Paul Euflag. Jean-Paul Euflag. Jean-Paul E. Jean-Paul Euflag. Jean-Paul Euflag. Jean-Paul Euflag. Jean-Paul Euflag. Pas mal ça. Jean-Paul Euflag. Bon, je quand même. Finissez tous deuxième, comme disait E-Team. Si moi je finis premier, que vous finissez tous douzième, pardon, c'est réglé. Ah putain, quand même. J'ai fait une très belle course. On va pas se mentir, j'ai fait une très belle course. Ah, ça sent le Alexandre en tête, ça. Ça sent le Alexandre en tête. Putain, je suis à 10 points du podium malgré cette première place. Quel enfer. Bravo Alexandre. Merci Carou de pas trop m'en vouloir. Bravo Alexandre. Nouveau gâchot. Belle bataille avec Idiz. Psartexit, t'es pas loin. Et je suis juste à la quatrième putain de place. Je suis pas loin, bordel. Je suis pas loin. Je suis pas loin. Je ne suis pas loin. On se retrouve ce soir pour les aventures Red Dead, les amis. Bravo à tous. Merci à tous pour cette matinale. C'était encore une fois un plaisir. Merci beaucoup à la modération. Merci beaucoup à Johan pour le bingo. Merci beaucoup à Fafafouille pour l'overlay. Et bien sûr, merci beaucoup à Maria Yaya si tu es toujours là. Et merci à tous ceux qui ont sub. On s'est régalé encore une fois. Je vous souhaite une journée tout ce qu'il y a de plus hyper. Je vous dis à ce soir pour les festivités Red Dead pour les gens de ce soir. Et je vous dis à la semaine prochaine.